Eh bien voilà, nous y sommes, nous voici en direct, il y a déjà du monde à la porte du Zoom, donc je vais vous ouvrir dans quelques instants, le temps de vous dire déjà bonsoir et de vous remercier d'être là, euh, de présenter euh, mes acolytes habituels, alors on a la surprise d'avoir Pierre avec nous, Pierre Jacot qui n'était pas annoncé, mais c'est vrai, comme ce n'était pas très sûr, euh, voilà, je n'ai pas voulu vous faire euh, une fausse joie, c'est dans le cas où il n'aurait pas pu se libérer, mais par chance, il est avec nous. Euh, patrick thévenot, bien sûr, qui va être euh, le chef d'orchestre euh, de cette soirée. Euh, <coughs> julien basser, voilà peut-être un petit peu moins connu euh, sur les écrans, puisqu'il est rarement avec nous dans, dans les Zooms. Euh, est-ce qu'on fait une petite présentation, patrick, de ce qui va se passer ce soir, parce que voilà. On a annoncé dernièrement des nouvelles sessions de méthode d'écoute, donc à Meudon. Donc ça va se passer en avril et au mois de, de je sais plus, au mois de juin, je sais plus, au mois de mai, je sais plus. Bref. Et euh, suite à ça, j'avais eu pas mal de mails, pas mal de, de, de retours comme ça, de gens qui me posaient plein de questions sur ces fameux critères. Et ouais. je me suis dit, bah, comme euh, des fois la réponse toute faite qu'on a, bah, le mieux. De venir y assister, évidemment, mais bon, je peux comprendre que parfois c'est pas évident. Donc, euh, on avait déjà fait un petit truc avec Patrick pendant le confinement, donc ça remonte maintenant presque, presque, presque deux ans, si pas de bêtises, euh, ça passe super vite. Euh, et du coup, je vais y aller. On va, on va essayer de reproposer quelque chose et puis euh, essayer de, de tester un petit peu vos oreilles, vos écoutes. Donc, voilà, euh, je sais pas si vous avez vu, euh, je vous ai mis les liens. Euh, comment ça euh, le lien pour euh, télécharger les fichiers audio. Voilà, et donc euh, l'adresse du, du lien pour le Zoom aussi, si vous voulez participer avec nous et poser vos questions. Je vais vous ouvrir la porte dans deux minutes, je vois qu'il y a déjà du monde. Euh, voilà, parce que l'idéal, évidemment, comme on est en live, euh, toujours un petit peu de décalage et puis tout ça, l'idée, c'est de préparer chez vous euh, les extraits audio sur une petite session. Moi, bah, je me suis fait une petite session. Comme ça, on va essayer d'écouter euh, tous, va essayer notre côté et puis débattre sur les résultats qu'on va trouver. Mais Patrick bah, va nous expliquer un petit peu tout ça. Oui. Euh, et puis, on et euh, puis sûr, Pierre et Julien sûr pourront et Julien un pourront peu... Euh, leur pierre à cet édifice. Hein, voilà, maintenant, avec nous, euh, euh, souvent dans les stages, bon, Pierre connaît la méthode depuis peu, puisqu'il est venu participer en juin dernier. Il nous témoignera un petit peu euh, ses impressions là-dessus. Et, euh, et puis Julien, bon, Julien qui est un petit peu le binôme de Patrick hein, dans les stages, autant sur la méthode, mais aussi peut-être même plus sur le, le stage de, de prise de son stéréo, puisque voilà, il nous prête euh, son expérience euh, en tant qu'ingénieur du son à Meudon. Euh, voilà pour cette petite introduction. Est-ce qu'on accueille un petit peu tout le monde et puis tu nous présentes un peu tout, Patrick? Oui, d'accord. Hein Allez, je vais parce que là je pense qu'ils sont bouillants. On a une petite <laughs> dizaine de personnes qui va arriver. Hop Et puis, euh, et puis voilà, comme ça vous pourrez poser vos questions. Est-ce que tout le monde a pu télécharger les, les... les fichiers audio J'espère que oui. On ah. dirait. Tac, tac, tac. Mm -hmm. On va avoir des habitués, même des anciens. Bah ouais. Ceux qui, ceux qui bah, connaissent déjà. C'est pas drôle. <laughs> ouais, mais un peu de révision, ça ne fait pas de mal. Il y a toujours l'iPhone de Virginie, mais Virginie n'est pas, pas, pas là. Mal. <laughs> On verra peut-être pas toutes les pas toutes les têtes, <laughs> mais c'est pas grave. Si si, elle est là. <laughs> elle est là. Ah bah voilà. Parce qu'il y a toujours marqué iPhone de Virginie, mais euh, on voit jamais Virginie. Donc euh, ah bah voilà, on wow, voit wow, wow, Virginie et et, 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 son, et, et, euh, et ses acolytes. <laughs> c'est pour ça que j'enlève le son et la vidéo parce que ah, sinon je, je dis très bon, le reste. Hein. C'est pas grave Virginie, ça me fait plaisir de te voir. <laughs> mais moi aussi. Ok. Hello. Hello. Yes yes yes. Je pense que tout le monde a pu se connecter. Voilà, normalement, je vais enlever la, la, la salle d'attente. Je vais trouver la manip pour faire ça pendant que Patrick nous expliquera un peu tout ça. Comme ça, vous serez libre d'aller et venir un peu comme vous voulez. Et puis voilà, Patrick, je te laisse euh, la parole. Ou... Ouais, si, hein euh, les, voilà. les, si, si les gens veulent mettre leur caméra, moi je préfère parce que j'aime pas trop discuter dans le vide. C'est déjà. Euh... Par visio, c'est pas terrible, terrible. Comme contact. En plus de ça, si j'ai ah ni bah. le son ni l'image, j'ai un peu l'impression d'être un peu dans le, dans le, j'irai seul. <laughs> tu n'es pas seul, Patrick. Nous sommes là. Nous <laughs> sommes là. Non, mais si vous voulez mettre votre, voilà, ouais, c'est plus sympa, hein Voilà. Euh, bonjour. On est entre nous. Ouais, ouais non ne vous inquiétez entre nous. pas. Il y a... euh, ouais. euh, Très ouais. peu de gens qui regardent souvent. C'est ouais. pas. Ouais, non, mais bon, après, si vous avez une mauvaise connexion, c'est toujours <laughs> plus sympa. Quoi. Voilà, puis il y en a d'autres qui sont en train de... Ah, il y a voilà, Bernard ça va, aussi. Ça va arriver au fur et à mesure, oui. J'ai vu Bernard, Laniel qui est avec nous. Ah, ah, voilà Bernard. Salut. Hello Bernard. Salut. Ok. Alors, est -ce que, est-ce que tout le monde a réussi à télécharger les fichiers audio Faites-moi des pouces si vous l'avez fait. Yes Cool. Bon, très bien. Bon, évidemment, c'est qui <laughs> pas de caméra, je ne peux, je peux pas voir, mais... Ah, Il y a que William oui. aussi ah, Oui, pas William, William. Uh -huh. <laughs> Salut, William euh, Ok, on est parti, à moins que... Okay, ça marche. Euh, voilà, on est toujours en mode sans filet, nous, dans ces, dans ces réunions, mais c'est ça qui est bien. Oui, bon, bah, ça, c'est... C'est pas. Voilà, c'est une petite habitude qu'on a maintenant. Georges, hein. ah, ben bah voilà. Georges est là, impeccable. c'est bien, c'est ouais. bien. On va avoir du monde, on va avoir du monde. Je, ça se connecte en même temps. Oui, 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 parce que ce qui est ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est de savoir ceux qui, qui bah oui. je reconnais ceux qui ont déjà participé au stage, mais ceux qui n'ont pas participé, parce que c'est pas pareil, quoi. Tu vois et et c'est justement pour eux que bah oui. je me adresse en priorité. C'est <laughs> l'intérêt à, à eux. <laughs> Est-ce que avant de se mettre dans le fil du sujet, Patrick, tu peux nous expliquer, puis tu le feras mieux que moi. Bon, euh, évidemment, comment, euh, d'où vient cette méthode Moi, maintenant, je la connais depuis euh, hmm. 2019, septembre 2019, où euh, ma vie a basculé. <laughs> Le jour où, où j'ai pris connaissance de. Non, mais ce n'est pas une blague en plus, parce que. Ce <laughs> n'est euh, pas une blague, parce que. Parce que déjà, je ne m'efforcerai pas à faire tout ce travail-là pour faire connaître la méthode si moi-même moi je ne serais pas convaincu, hein, vous vous douterez bien. Mais c'est vrai que ça a été une vraie révélation, parce que, comme dit Patrick, quand on est. Euh, euh, ingénieur du son et qu'on a euh, pas mal d'expérience. Bon, j'ai bourlingué aussi pas mal quand même, hein, moins que Pierre et, et peut-être moins que Julien, mais en tout cas, euh, j'ai fait quelques trucs. Et du coup, euh, on a des vieux réflexes où effectivement, quand on écoute des sons, on est euh, sur l'affect, j'aime ou j'aime pas, euh, on fait référence à notre culture et tout ça. Et puis c'est vrai que la force de ces critères, mais Patrick va, va, va vous le redire. C'est que d'un coup, euh, on va dire euh, psychologiquement parlant, il se passe autre chose dans notre tête, euh, tout simplement parce que euh, grâce aux critères qu'il va nous présenter, enfin certains des critères qu'il va nous présenter, parce qu'on pourra pas tous les faire ce soir, et eh ben le principe de mesurer ce qu'on entend en se basant sur ces critères, et eh ben change absolument tout sur notre manière de percevoir, et on va beaucoup plus loin. Euh, dans l'écoute, quand je dis on va plus loin, et eh ben, on va détecter des choses dont on ferait pas forcément attention euh, en temps normal, de par le fait que voilà, on est euh, influencé par notre affect euh, ou notre culture. Voilà, un son qu'on n'aime pas, quand on l'écoute, forcément, on est moins, euh, on est moins attentif que sur un son qu'on aime bien, par exemple. Ce genre de choses, voyez. Et donc là, on est sur euh, du concret, sur de l'objectif, comme dit Patrick. Et, euh, et ça change absolument tout. Donc on va essayer ce soir de non pas de vous le prouver mais parce que ce serait un peu compliqué on va dire mais au moins essayer de vous donner un, un petit aperçu euh, donc on va vous présenter les critères de construction de base. Patrick va vous expliquer tout ça et euh, parallèlement au fait de vous les présenter, bah, l'idée c'est qu'on puisse écouter euh, les résultats. Et en tout cas, comment ça fonctionne. Donc, c'est là où les fichiers audio vont intervenir. Euh, et bien sûr, l'intérêt, c'est de le faire chez vous, dans votre environnement. Et vous allez voir qu'on ne va peut-être pas tous forcément tomber d'accord. Euh, et c'est là qu'on va tomber dans, le, dans un autre grand sujet qui est euh, l'optimisation des écoutes. Mais ça, c'est un autre débat. <laughs> euh, donc, voilà. OK. On est pas mal? On est pas mal. Et alors, moi, juste ce que je, je voudrais savoir, justement, j'ai déjà posé cette question, quels sont ceux, euh, donc là, qui n'ont jamais euh, fait euh, participer au stage Donc, euh, je vois. Euh, euh, donc là, vous, vous, vous si vous n'avez pas envie de mettre votre micro, vous, vous, vous levez la main et puis vous mettez un peu euh, bah, votre... Euh, dans, les, dans les commentaires là, Dans le... Dans les commentaires, voilà. Donc, OK. Voilà, moi voilà, oui, dans les commentaires, c'est très bien, voilà. Donc, pour que je sache un peu... Euh, 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 T.J.R., c'est, c'est, je vois pas trop. Ouais, tu, 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 on va se tutoyer, hein, ça sera plus simple. Ouais. Oui. D'accord. Bonjour. <laughs> ok, bonjour. <laughs> Super. Donc, euh, famille. Euh, voilà. Donc, dans les autres, j'ai Bigoud, Bigood, Est-ce qu'il a, est qu a euh, euh, voilà. Donc là, oui, parce que je ne suis, je ne suis pas ingénieur du son, mais c'est simplement audiophile. C'est très bien. <laughs> voilà. Bigoud, euh, est-ce que, est que tu as déjà participé ou pas Je ne sais pas si, qui tu es. Voilà, je ne sais pas si tu m'entends d'ailleurs. Voilà, Pedro aussi. Et puis Chris 31. Si vous pouvez me dire si vous avez euh, ou pas. Euh, puis Jean-Christophe aussi. Chaque uh, Jean vous m'entendez Oui, il me l'a dit, ouais, jamais participé, oui. Mm. Chaque son, vous m'entendez oui oui. oui, 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 oui. Oui, William. Bon. Merci, <laughs> C'est bon, tout va, tout va bien. Donc les autres, euh, je sais pas. Bon, ben, d'accord. Chris à part Chris. Donc euh, Bigoud, je sais pas. Bon, bref, on va faire comme s'ils n'avaient jamais participé, parce que le, leur pseudo ne me dit rien. La, la majorité, je pense que non. D'accord, ça marche. Je Bien. Pense, ouais. Alors déjà, euh, déjà, je vais essayer de ne pas être trop long dans l'introduction, mais c'est vrai que la genèse de cette méthode, euh, en fait, euh, <coughs> remonte à il y a, on va dire, 25-30 ans. Hein. Donc, ça fait déjà 25 ans, moi, ouais, ça fait déjà un petit moment. Donc, moi, j'étais responsable du laboratoire Acoustique Alina et responsable de formation. Et puis, bah, euh, comme aussi, je, 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 je fais pas mal de recherches dans ce cadre. J'avais fait pas mal de recherches, j'en fais toujours, mais dans ce cadre-là, j'en ai fait pas mal, j'avais pas mal de moyens à ma disposition et euh, je aussi faisais de la, de, la, de la création enfin donc pour les, les sur l'écoute monitoring enfin création d'enceinte mais aussi globalement plus spécifiquement euh, sur comment faire une écoute monitoring qui était euh, j'irai neutre enfin entre guillemets bon bref et pour ce faire bah, j'ai eu besoin de croiser en fait euh, de croiser ah, voilà. Connexion, là voilà, je vois les gens, super. J'ai eu besoin de croiser euh, les, les, les mesures, donc euh, mesures euh, physiques, hein. donc la réponse impulsionnelle, etc., comme ça. Euh, ou euh, j'irais impression auditive. Mais l'impression auditive, ça, et comme je des stagiaires à l'époque, euh, donc euh, qui étaient très contents de, 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 de faire ces expériences avec moi, donc je les ai entraînés en chambre sourde, entre autres, dans différents locaux, studios et tout. Et puis euh, donc on, on faisait des expérimentations en chambre, en chambre sourde. Mais quand je leur demandais, ben, euh, donc après, bon, ben, par rapport aux mesures, est-ce que comment on vous euh, vous expliquer ces mesures, etc. Voilà. Ça restait assez évasif, et puis on tournait un petit peu en rond. Donc, j'ai éprouvé le besoin de mettre en place une méthode, j'irais, plus objective qui permettait de, 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 de qualifier, mais surtout de quantifier en fait, ce qu'on entendait. Voilà. Et donc d'où est-on apparu les critères Alors, je suis pas démarré, je suis pas démarré de, de rien. Hein. Démarré de, de travaux qu'avait fait Guy Laporte à Radio France, au Conservatoire de musique de Paris. J'étais à l'époque avec Sébastien Nolly, qui était j'étais le directeur de mémoire, qui était au CNSM. Au conservatoire, et puis euh, donc, qui, 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 qui m'a enfin on va dire, on a, on a travaillé ensemble sur ces critères. Voilà, là. Et euh, et puis, bon, surtout, il y a des critères aussi de Jacques Joanneau, parce que j'avais fait le CNAM, et donc Jacques Joanneau, qui est directeur de, de chair d'acoustique du CNAM, avait aussi une, quelque chose d'intéressant sur la quantification de certains types de critères. Et donc, j'ai fait un amalgame entre les deux. Entre tout ça, parce que Guy Laporte, il en avait des critères plus de 50. Hein, donc, mais bon, c'était pour le, le conservatoire des gens, des musiciens, etc. Bon, voilà. Donc moi, j'ai, avec l'aide de Sébastien Oli, bien sûr, j'ai, euh, on va dire, euh, 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 j'irai résumer un petit peu ces critères et trouver en fait les les simplifier, mais surtout, j'irai sans qu'il manque rien, sans faire de Enfin, sans faire de compromis, quoi. Voilà. Donc, on a euh, trouvé, en fait, euh, des, des critères qui permettaient de corréler ce qu'on entendait avec ce qu'on mesurait. Et puis après, ben, je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait utiliser ces critères à part entière pour les ingénieurs du son, et je me suis aperçu qu'en fait, ça, dans les stages de, 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 de techniciens son, entre autres, à, 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 que je faisais à l'INA, euh, que j'organisais, euh, eh euh, il n'y avait pas photo, quoi, j ça faisait vraiment un plus dans nos formations, tout ça, et puis bah, on, surtout en, en ce qui concerne le langage, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage qu'on fait tout ça. Voilà, donc on, on parle de ce qu'on entend. Et là, bah, c'était juste, on passait de, du, de la photo noir et blanc à la photo couleur, quoi, ou voir euh, à la... À la euh, comment euh, ah, euh, le, pas pas la vid le, ah, le, le la vidéogramme c'est la photo en 3d quoi voilà l'hologramme ouais. l'hologramme pardon voilà merci pierre euh, voilà et donc, euh, donc là j'ai après bah, très rapidement bah, j'ai euh, réaffiné cette méthode euh, et puis bah, maintenant bah, j'essaye je, 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 de de la faire connaître et puis qu'il y ait d'autres personnes qui l'utilisent aussi, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas que moi qui le voilà, euh, euh, qu fasse, parce que c'est vraiment quelque chose de, euh, que je trouve euh, bah, très euh, pragmatique. Et, et surtout, bah, ça permet en gros en, en trois jours de faire, en, de faire plus en trois jours que ce qu'on peut faire en trois ou dix ans euh, quand on débute, quand on est ingénieur du son, par exemple. Alors, les ingénieurs du son qui sont déjà avertis... Bah, c'est toujours intéressant parce que bon, ils sont, ça permet d'affiner le langage et puis d'avoir de, 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 quelque chose de beaucoup plus concis et beaucoup plus, euh, j'irai, on va dire, mesuré. Hein. Mais euh, globalement, voilà, c'est euh, pour ça que je continue euh, parce que j'ai des gens que je revois euh, 20, 15 ou 20 ans après et puis bah, euh, du coup, ils m'en parlent toujours. Donc, euh, ils me disent, bah, ça, ça il euh, ça, ça, y a eu avant et après. Voilà. Voilà donc pour l'introduction et la genèse, l'histoire, l'historique de pourquoi euh, c'est euh, ces critères. Alors, euh, ce que je peux faire, c'est je vous ai préparé un petit PowerPoint. Hein, voilà, donc, euh, donc, euh, qui va nous servir de canevas. Et bien sûr, vous pouvez réagir à tout moment hein, euh, euh, là-dedans et, 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 et surtout euh, n'hésitez pas. Hein, on, euh, je dirais, c'est pas quelque chose de formel, c'est pas. Voilà, donc euh, même si je ne connais pas tout le monde, ce n'est pas grave si on ne se connaît pas tous, mais euh, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions si c'est dans le sujet, bien entendu. OK Donc je vais partager mon écran. Alors, euh, pom, 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 alors, écran partagé écran partagé je vais partager le diaporama. Voilà, partagé. Donc là, vous devez avoir mon diaporama normalement, c'est ça Tout le monde, c'est bon pour tout le monde Oui, d'accord. Alors donc euh, sur ce diaporama donc on va faire une, une introduction hein, on ne va pas faire euh, toutes autres, parce qu'il faut trois jours hein, pour faire tout ça pour j'irai commencer à la l'accueillir ouais, mettez-moi des petits pouces comme ça voilà je me... <laughs> hein, <c 'est> okay. <laughs> euh, pour me dire ça ça va pas ou si ça va pas ou que ça va ou si ça va pas vous me le dites voilà, donc euh, oui, donc on va, on va faire ça sur une, on va se fixer sur une heure et demie, hein, une heure et demie, deux heures maxi. Bon, voilà, il n'y a pas de temps limite, mais enfin bon bref, on ne peut pas ton, ton plus trop abuser de, du temps. Mais c'est pour vous faire découvrir. Alors la première chose aussi c'est que je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que les critères, parce qu'il n'y a rien à comprendre. <laughs> parce qu'en fait, c'est un petit peu comme quand, je le dis souvent dans les stages, comme quand on apprend à faire du vélo. Hein. Au départ, on a beau euh, se faire expliquer est, comment il faut faire pour tenir, qu'est-ce que c'est que l'équipe sur le vélo, on le sait à partir du moment où on le ressent. Donc en fait, ces critères, ce ne sont pas quelque chose qui, est, qui sont à, à, à comprendre, mais quelque chose à ressentir. D'où l'intérêt de, euh, de, de pouvoir, euh, les expérimenter et c'est le but de cette petite visio, c'est vous faire sentir un petit peu, euh, euh, j'irai comment, comment ça se passe et qu'est-ce que ça peut amener, même si ce n'est qu'une introduction. Ok, on est parti, vous êtes cochés aux ceintures Alors bon, enfin mmh. bon, c'est pas, <laughs> non, ça va, ça va pas être, ah. ça va pas se recouer. on va pas tout de suite se ruer. Euh... Sur, euh, j'irai en, en vélo sportif euh, faire le tour de France. Hein. Alors, euh, donc, déjà, la première chose, c'est euh, déjà, on va dire, on va apprendre, apprendre à écouter. Hein, apprendre à écouter, et je vais faire un parallèle. Hein, en plus, je suis bourguignon, moi. Donc, euh, voilà, et donc, euh, bah, vous connaissez l'œnologie. Hein, et euh, je vais faire un parallèle avec l'œnologie parce que bah, je trouve que ça s'y prête bien. Et puis c'est sympa, je trouve. Voilà, voilà. Donc alors, par rapport à l'onologie du son, donc là j'ai appelé ça, donc euh, pour faire un clin d'œil, donc l'onologie du son. Alors dans l'onologie, vous savez que on peut, dirais, euh, on décortique en fait des différents euh, goûts, différentes euh, saveurs, etc. Il y a le nez, il 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 y a plein de, 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 de choses, mais qui sont très méthodologiques. Avec, méth pardon et avec euh, avec des des, euh, des des terminologies des euh, un vocabulaire qui est propre à l'onologie. et bien sûr il y a un truc important qui est que on va quantifier je sais pas si vous voyez mon petit curseur ouais vous le voyez ouais bon bon. alors on va quantifier en fait que, euh, ce qu'on va euh, sentir tout ça il existe la même chose dans d'autres domaines hein. par exemple en psychologie par exemple la pnl hein, dils a quantifié euh, pas mal d'impressions, quand vous allez chez le, le, le médecin ou vous avez fait l'hôpital, ça vous est peut-être arrivé, comme ça on vous dit sur une échelle de 1 à 10 comment vous dosez votre douleur, tout ça, donc on quantifie. Alors la quantification, vous allez voir que la quantification est extrêmement importante et vous allez voir pourquoi. Alors dans la deuxième diapo, donc là, voilà, donc je fais des petites diapos marrantes, pour avec le, voilà, <laughs> toujours notre tableau d'onologie. De, de et on va quantifier, et chaque quantification va correspondre à des distinctions, hein? distinctions qui, qui vont correspondre à, à, à différentes, euh, différents paramètres euh, bien spécifiques, hein? Donc là. Et euh, chaque distinction va en fait créer, va être associée, autrement dit, et créer s'il ne l'est pas, un circuit euh, neuronal, enfin des circuits neuronaux qui vont correspondre à ces distinctions. Hein. Par exemple, au niveau des goûts aussi, c'est pareil. Hein. Il y a le salé, le sucré, le machin. Si on n'a jamais mangé quelque chose de sucré, ce qui est peu probable, et d'un seul coup que je vous fais goûter euh, une, plein de pots de miel, euh, vous allez dire wow, :« Waouh Je découvre une nouvelle sensation. » À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il se crée, en fait, dans votre euh, cerveau, corps et globalement, des circuits neuronaux qui correspondent, qui définissent cette distinction de sucré, par exemple. C'est pareil pour la distinction de goût de par exemple de cerises, de fruits rouges, abricots, champignons, vanille, etc. Voilà. Donc on va créer des circuits neuronaux voilà, et ces circuits neuronaux eh bien vont amener ben, un nouveau niveau de conscience. Hein, et c'est ça qui est très très intéressant. Ce va, chaque circuit, circuit neuronaux va amener va élever le niveau de conscience de l'onologie, euh, de, de de l'oenologie dans ce cas-là pour le vin. Et bien sûr, ben, ça va amener du plaisir et puis du discernement. Hein, plaisir parce va être c'est toujours sympa d'avoir un nouveau niveau de conscience, hein, on, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant ou qu'on ne ressentait pas avant et qu'on identifie surtout. Donc, euh, voilà. Alors ça c'est en ce qui concerne l'onologie du son, hein, l'onologie tout court. L'onologie du son par contre, eh bien, nous on va déterminer non pas des goûts de cerise hein, <laughs> ou des saveurs, mais on va déterminer des critères d'écoute. Alors ces critères d'écoute, on va avoir... Je dirais globalement cinq familles de critères. Donc, on va avoir euh, les critères euh, de construction, hein. on va avoir les critères d'équilibre, on va avoir les critères de définition, on va avoir les critères de stabilité et on va avoir les critères de réverbération. Il s'agit de cinq grandes familles qui caractérisent en fait la particulièrement adaptée à la stérophonie d'ailleurs. Hein. Après, on peut extrapoler ces critères en, en multicanal, y compris en son 3D mais ça, on va déjà parler de la stéréophonie hein, aujourd'hui. Voilà, alors, euh, donc, dans ces cinq euh, familles de critères, eh bien, on va faire la même chose, on va quantifier chaque, euh, chacun de ces critères, donc là, en sous-famille, vous allez le voir, et on va obtenir à nouveau des distinctions, hein, euh, là, euh, on va avoir, euh, donc, qui vont créer des circuits neuronaux, des niveaux, de nouveaux niveaux de conscience, et puis, là, j'ai mis discernement et plaisir dans, dans, dans dans l'autre sens, parce qu'en fait, quand on, est, on fait du son, eh bien, euh, en tant que professionnel, eh bien, la première chose, c'est de discerner. C'est le discernement passe, gérer on peut dire avec, mais souvent avant le plaisir. Hein. Mais bien sûr, ça n'exclut pas le plaisir hein, d'entendre. Au contraire. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Alors maintenant. Eh bien, on va passer donc à euh, ce qu'on va faire dans notre petit diaporama là. Donc, on va le faire en plusieurs fois. Hein, vous allez le voir les différents types. On va, on va, on va quand même caractériser les différents types d'écoute et d'analyse. On va définir les critères de base. Donc, parce qu'il y a des critères, euh, j'irai, euh, on va dire euh, euh, de base euh, qu'on qu voit tout à fait au début, et puis après, on, les, on affine ces critères-là en sous-famille, etc. Mais on ne va voir que les critères de base euh, aujourd'hui. Hein. Et euh, on va faire une petite expérimentation, une analyse de quelques critères. Et puis à la fin, bah, je vous expliquerai pourquoi, comment on, 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 fait ces, euh, on, a, on applique ces critères à la prise de son, au mixage, voire même à la sonorisation, bien entendu, hein, qui, qui est une forme de mixage aussi hein, et de prise de son. Voilà. Et, et bien sûr, on va aussi. Euh, Appliquer ces, ces critères au choix et au réglage de son écoute monitoring. Et pour ceux qui sont même que qu'audiophiles, ce qui n'est pas du tout péjoratif, hein, <coughs> ça va donner une autre dimension, évidemment, de l'écoute de son système. Et puis, bah, après, d'avoir quelque chose qui va augmenter le plaisir aussi d'écouter, parce que et ça, ça n'enlève en pas le le côté musical, hein, rassurez-vous. Hein. C'est qu'en gros, toujours ce que je dis dans les stages, par exemple, j'ai. En général, je demande toujours quels sont ceux qui sont musiciens. D'ailleurs, là-dedans, vous pouvez me faire un petit pouce pour ceux qui sont musiciens dans le... avec votre... Hein, voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, Alors, pour, pour les musiciens, je leur dis souvent, ben, en fait, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. <laughs> la, 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 la mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir vous enlever vos... Momentanément vos euh, oreilles de musicien. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous aurez une autre paire d'oreilles disponible à tout moment, qui sera différente et qui se mélangera pas avec, les, avec, euh, avec euh, la, la première, mais qui pourra, je vous pourrez interchanger d'une manière euh, euh, très très rapide entre les deux. Et ça, c'est vraiment très agréable d'ailleurs. OK euh, Donc, on y va. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi le stage, ben vous, vous connaissez déjà, hein, mais bon, ça fera un petit rappel. <laughs> voilà. Alors, euh, on va commencer par les différents types d'écoute et d'analyse. Alors, on va distinguer les, les, les types d'écoute audiophile mélomane, hein, voilà, musicien, ingénieur du son ou et sonorisateur. Hein, voilà. Ça, c'est les trois types, on va dire, de, 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 de personnes qui s'intéressent au son et, et voilà, avec des cultures d'écoute et des besoins différents. Alors, euh, voilà, donc là... Dans ce qui concerne les audiophiles mélomanes, ce que j'appellerais l'écoute émotionnelle, c'est que le but, c'est le plaisir d'écouter, essayer d'avoir un respect de l'œuvre initiale, même si on peut faire des petites entorches aussi, parce que des fois, on prend plus de plaisir, voilà, d'où le côté, je dirais, bah, on ne travaille pas avec. Donc, l'idée, c'est le plaisir avant tout. On va pouvoir respecter aussi, entendre les nuances d'interprétation, la dynamique restituée, et puis l'émotion globale liée à la culture musicale. Ça, c'est ce que je, je C'est comme ça que je caractériserai vite fait euh, les euh, l'écoute audiophile mélomane. Après, il y a les musiciens. Alors les musiciens, c'est ben, une analyse du rythme, de la mélodie. J'en oublie sans doute. Hein, détermination de la justesse des notes, appréhension de l'équipe musicale, recherche de l'émotion souhaitée également. Ça, c'est en ce qui concerne plutôt l'écoute dirigée plutôt musicalement. Et puis enfin, il y a les ingénieurs du son sonorisateur, auxquels s'adresse précisément, en premier lieu, bien sûr, cette écoute, mais pas que, qui est une analyse auditive, objective et quantifiable. On va déterminer, donc, des... l'idée, c'est de déterminer des critères cibles en vue du résultat artistique désiré. C'est qu'en fait, quand on est ingénieur du son, on a des clients, Hein, on a des clients qui vont, euh, je dirais, euh, euh, avoir euh, euh, certains euh, besoins, certaines euh, éthiques de sonore, tout ça, qui vont essayer de vous transmettre. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de traduire ces critères, on va le voir, hein, euh, traduire sous forme de critères ces intentions artistiques. Voilà. Et ça, ça va changer tout, vous allez voir, puisqu'on va pouvoir, je dirais, d'une manière beaucoup plus rapide, je dirais, et synthétique. Euh, déterminer en fait l'intention artistique du musicien parce que des fois, c'est pas toujours évident. Et puis bien sûr aussi, ben, on va prendre en compte là-dedans, euh, bien sûr grâce aux critères les cultures de, de production, les cultures d'écoute autrement dit, <coughs> qui sont différentes. Si vous avez affaire à un, à un groupe de, de salsa brésil, euh, je sais pas, brésilienne, par exemple, hein, euh, ben, il est évident que c'est pas du tout la même culture d'écoute que du jazz nordique ou de la musique classique. Et puis également, bien sûr, surtout ce qui est intéressant, c'est la rapidité d'exécution et l'évaluation du produit sonore hein, qu'on va pouvoir, je caractériser. Alors, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste, vous allez pouvoir savoir, c'est ou c'est pas comme ça. Voilà, donc ça, c les, ce sont les différents types d'écoute. Hein. Après, on va euh, donc passer à, euh, aux critères. Donc là, pour euh, proprement dit, donc on a les critères de construction. On va déterminer en sous-critères la largeur, la profondeur, le relief. Bon, je vous le donne rapidement, ça, vous, vous ayez une, une vue globale euh, de l'ensemble de la méthode, hein, euh, mais on n'ira pas dans les, les profondeurs de cette méthode. On a les critères d'équilibre. On va distinguer l'équilibre spectral et l'équilibre dynamique. On a les critères de définition. On va distinguer la séparation en timbre et la transparence. On a les critères de stabilité. Où on va distinguer la stabilité de l'image globale et la stabilité des sujets. Et enfin, on a les critères de réverbération où on va distinguer trois sous-critères qui sont la quantité, le type et l'homogénéité. Alors ça c'est pour l'ensemble des critères de base. Après, il y a les critères avancés où il y a encore d'autres subtilités dont je vous parlerai pas, ça serait trop trop un peu embrouillé. Et c'est pas le but là aujourd'hui. OK Alors, on va commencer par faire expérimenter quelques critères Ok. Avant, euh, avant d'expérimenter les critères, euh, est-ce que euh, par rapport à ce qu'on avait fait, là, avec, à tous ces critères-là, euh, peut-être qu'on peut avoir un petit… Euh, Julien, si tu veux intervenir, ou Pierre, euh, vous êtes les bienvenus. Sinon, on peut expérimenter quelques critères, puis faire après. Tu a mais... des trucs à dire, tu sais. Oui. À dire quelque chose. Ouais. <coughs> Vas-y, Pierre, si tu veux. Ton, ton micro ah, est coupé. Tu pas de micro, Pierre le micro… En bas à gauche de l'image. Oui, je, euh, ouais, mais comme j'avais une interface différente, ça s'était mis ailleurs. Bon, bon, euh, bon. Voilà. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que cette méthode. Alors d'abord, je partage vraiment euh, l'analyse de Patrick sur la nécessité de qualifier son langage quand on parle de musique, d'autant plus que le milieu musicien, le milieu de l'enregistrement, de la scénarisation, sont des milieux dans lesquels on jargonne facilement. Donc on invente même des mots supplémentaires. Qui ne veulent pas toujours dire la même chose pour les gens. Euh, C'est assez rigolo parce que sans s'être concerté du tout, on est même arrivé un peu à des, à des analogies qui se ressemblent. Moi, j'explique souvent aux gens que, que je coach sur ce plan que je suis amateur de Pinard, en leur précisant bien que ce n'est pas une manière de me faire offrir des bouteilles, mais que j'ai dans le vin, quand on aime le vin, il y a un cadeau à faire qui est très malin, qui s'appelle Bacchanal, qui est un petit jeu dans lequel il y a les 50 fioles des parfums qu'on peut trouver et des fragrances qu'on peut trouver dans le vin. Et au début, quand on découvre ça, le principe étant des petites des espèces de petites salières qu'on découvre avec l'étiquette, et on cache le nom, on respire et on, et on énonce ce qu'on ressent. Et en fait, on s'aperçoit avec une détresse immense qu'on reconnaît à peu près tous les parfums et qu'on n'en énonce aucun parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'énoncer ce qu'on ressent. Et énoncer ce qu'on ressent fabrique effectivement une liaison synaptique, ce que Patrick appelle le circuit neuronal, qui est la connexion entre le ressenti et l'énoncé. Et donc il faut avoir du vocabulaire et il faut pouvoir le dire. Pourquoi c'est important D'abord pour savoir et préciser ce qu'on ressent, éventuellement le consigner, parce que dans le travail de l'audio, il y a des tas de moments où l'impression s'érode à force de répétition et où on perd la vivacité des impressions. Donc c'est important de les de les nommer et de les qualifier et puis parce qu'on partage les décisions quand on est ingénieur du son on partage les décisions avec son client quand on est réalisateur on partage les décisions qu'on veut prendre avec les gens qui vont participer qui vont être exécutants bref il y a de multiples moments où on a besoin de partager ses impressions et pour ça il faut avoir du vocabulaire c'est super important la deuxième euh, notion qui est très importante là-dedans, mais je ne fais que euh, repasser les, les traces de Patrick, mais avec mes propres mots, c'est l'objectivité de cette, de, de cette impression. Parce que la tentation est grande de dire, euh, on, va prendre, on va lui emprunter un de ces termes, on va dire, euh, cette scène sonore est très transparente, mais qu'est-ce que c'est que très transparent Est-ce qu'on euh, va le quantifier On va le mettre sur des échelles que va nous proposer Patrick Et c'est tellement pertinent tout ça que le jour où on m'a on m'a dit que Patrick s'était penché sur le sujet avec du temps et, 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 et de la collaboration avec des gens qualifiés. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas y aller. Et ça m'a transformé en, en écolier. Et d'un seul coup, j'y étais avec euh, énormément de plaisir, faire les deux stages de suite en plus. Le premier sur le, les critères euh, objectifs d'écoute et le, le deuxième sur l'optimisation de l'écoute. Et euh, je me suis aperçu que la proposition était super intéressant parce que elle permettait déjà de, de bien énoncer les besoins et bien de de, de de proposer un langage qui était déjà très élaboré alors je le disais à Patrick d'ailleurs moi je, depuis je l'ai complètement adopté je l'ai un tout petit peu mis à ma sauce, mais j'ai vu que Patrick était très enthousiaste sur l'idée, parce qu'en fait, c'est un peu fait pour ça. Euh, j'ai re requalifié certains paramètres que je trouvais un tout petit peu euh, entre deux pour moi, ou, ou certaines échelles que je préférais mettre en DB plutôt qu'en une échelle décimale. Mais peu importe, le, le principe était acquis. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai des élèves en face-to-face, -face, les gens avec qui je... Je, je, que je coach dans leur progression individuelle et qui ont fait le stage de Patrick et on, on l'emploie intuitivement parce que ça nous rassemble et que d'un seul coup on parle de la même chose et on sait qu'on parle de la même chose. Donc, vraiment, voilà, sans pub aucune, hein, je, je, simplement je vous encourage vraiment, si vous n'en faites qu'un des deux, faites celui-là. Euh, c'est super important parce que ça donne du vocabulaire à vos oreilles et c'est un truc auquel je crois profondément. Voilà, je, je... voilà en gros ce que j'en pense. Ok, bah, merci Pierre. Ouais, bien, je, t pris. Super. Euh, je Je retiens d'ailleurs, euh, donner du vocabulaire aux à, à vos oreilles, c'est super. Ouais, ouais. c'est ouais, ce que je pense. Je le replacerai là, si tu m'autorises. <laughs> oh, bah, bien sûr. <laughs> voilà, voilà. Julien, tu veux... parce que là, on, on a pas mal... Toi, tu avais ouais. une... <laughs> en fait, tu as acquis cette méthode au départ avec l'école Lumière, avec Guy Laporte, je crois. Avec Guy Laporte, et après, j'ai eu Sébastien aussi. Enfin, j'avais eu Sébastien avant moi. Avant, avant Sébastien, donc les Non, mais ce qui est vrai que, aussi, moi, je, je, je dis aussi comme, comme, comme Pierre que c'est, que pour moi, c'est un des, des stages les plus importants parce que euh, ça permet de vraiment savoir ce qu'on fait, de pouvoir répéter aussi une qualité pour ceux qui veulent, euh, ceux qui travaillent dans le domaine du son, quel qu'il soit, même pour, les, même pour des musiciens, etc. Euh, c'est vraiment un, un outil qui est, euh, qui est presque le plus fondamental euh, au-dessus de, de beaucoup de choses techniques euh, qu'on peut, on peut imaginer apprendre avant. Euh, mmh. Le fonctionnement d'un compresseur, par exemple, je trouve ça moins important que de savoir exactement qu'est-ce qu qu'on entend quoi, et comment on l'entend. Donc, c'est vraiment le... Voilà, je rejoins aussi un peu ce qu'a dit, qu dit Pierre et, et je vous invite vraiment à, à faire ce stage. Vous allez voir que vous allez en ressortir beaucoup plus... Déjà, beaucoup plus intelligent, de fait, parce qu'on vous aurait plus de circuits neuronaux, mais aussi parce que, parce que vous allez vraiment avoir un outil qui va être un espèce de couteau suisse pour vous sortir n'importe quelle solution de situation, quoi. Voilà, c'est ce que à dire. OK, Julien. Bon, ben, bah, merci. Donc, euh, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, euh, les questions vont venir entre-temps. En, en ce que je vous propose, c'est oui, de de monter un petit peu sur nos petits vélos. Hein, voilà. Et puis, il euh, y a les petites roulettes sur les côtés, vous savez. Hein. Et donc, euh, donc, on va faire un petit tour de, du pâté de maison, euh, j'irai juste pour euh, se mettre un petit peu en jambes et, et voir un petit peu comment, euh, comment ça se passe exactement pour... Euh, parce que, en fait, si vous voulez, enfin, je vous en parlerai après, mais la quantification, je vous l'ai dit, est très, très importante parce que c'est ce qui va permettre la quantification. Euh, J'ai travaillé avec un neurologue aussi là-dessus, hein, euh, entre autres euh, plusieurs, même mais euh, surtout un. Hein, et euh, en fait, euh, dans cette quantification, euh, cette quantification permet d'avoir un fonctionnement du cerveau de séparer en gros, en gros, hein, manière très synthétique, hein, de séparer le fonctionnement du cerveau gauche et du cerveau droit en gros. Et c'est pour ça que ça va plus vite, très très vite, parce que justement on fait cette séparation et on n'est pas toujours en train de, de se demander est-ce que est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas en fait le donc, quand on fait de la quantification, euh, on ne peut pas se poser ce genre de questions en fait, au moment où on l'a fait. Et c'est pour ça que ça va très vite en fait pas miraculeux. Hein. OK. Donc, le mieux, c'est de. Vous êtes tous impatients, pour ceux qui ne l'ont pas <laughs> encore fait, c'est de. Alors, vous avez téléchargé, je pense, euh, les petits euh, extraits sonores. Ils sont dans l'ordre, ces extraits sonores sont dans l'ordre de ce que vous, je, je vous ai donné, des numéros 1, 2, 3, 4, 1, 5, etc. Euh, c'est dans cet ordre-là qu'on va les trouver. Hein. Donc, vous pouvez les écouter. Alors, moi, j'ai le son, évidemment, euh, sur mon PowerPoint, mais. Euh, yes. Je pense que c'est peut-être pas utile de l'écouter, de l'envoyer, de, 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 de parce que je pense que c'est mieux de. Alors, je peux vous l'envoyer en même temps, ce qui me permet de l'écouter en, en même temps. Mais bon, je les connais moi. Hein. Mais euh, par contre, euh, alors, si vous avez des, des, un casque, bah, ça va être différent, mais ça sera intéressant aussi. On peut appliquer ces, des, ces critères d'écoute à n'importe quel système d'écoute. Après, on ne pourra pas la même chose. On, on aura des des on va dire des, des amplitudes de divergence euh, enfin de différence entre les critères plus faibles si on prend un système d'écoute qu'une de petites enceintes autour du euh, euh, donc multimédia par exemple hein, que si on a un système d'écoute calibré bien entendu puis avec un casque bah, c'est <coughs> différent si on a bon je parle d'un casque classique pas binaural hein, euh, on va avoir certains critères, en particulier les critères de construction, qui vont être pas du tout pertinents, évidemment. mais vous entendez des différences. si vous avez qu'un casque, vous entendez des différences aussi. le but, c'est pas d'être tous d'accord, c'est de parler tous de la même chose. Hein, voilà. donc, euh, là on y va. on va commencer par, donc, parler dans les critères de construction. Hein, on va commencer par la largeur. <coughs> alors, la largeur, c'est la phrase qui va nous permettre de faire la bonne, Distinction, donc la bonne distinction donc d'établir le bon circuit neuronal, on va dire, c'est où commence et où finit la scène sonore en largeur dans la base stéréophonique, c'est entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite quand vous avez deux enceintes. Voilà. Donc vous avez un petit schéma et on va quantifier cette, euh, cette largeur entre moins 10 quand tout est dans, dans l'enceinte de gauche et plus 10 quand le son est complètement dans l'enceinte de droite et puis 0 quand c'est au milieu. Alors une scène sonore va être caractérisée par une limite. Hein par exemple, ça va être moins 5 plus 5, par exemple, hein ou moins 8 plus 3, euh, voilà, j'en sais rien. Voilà, donc ça va être, euh, euh, donc en général, même si vous avez un instrument ponctuel, il est rarement, euh, s'il est par exemple, à, euh, si vous promettez une voix monophonique panpotée au milieu de vos deux enceintes, vous allez avoir à zéro, mais on va dire, globalement, avec l'incertitude d'arriver à tout ça, ça va être entre. Moins un et plus 1, par exemple, voilà. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'être tous d'accord, c'est de parler tous le même langage. Alors, je vous propose un premier extrait qui est donc un Kyrie. Voilà. Donc, si vous voulez l'écouter, moi, je vous fais juste, voilà, le son, donc, il est là. Voilà, donc c'est le moment où il faudrait évidemment, euh, pour ceux qui sont prêts, euh, écouter l'extrait 1. Alors, euh, est-ce que vous voulez que j'envoie le son ou pas, vous me dites bah, À travers Internet, ce ne sera pas très probant. Ce ne sera pas très probant à travers Internet, mais ah, ça vous donne un ordre d'idée. Mais si vous avez le son téléchargé, écoutez-le. Hein euh, donc là, moi, je le mets en, je le mets en sourdine, euh, un petit peu ici. Et puis, euh, donc, euh, vous pouvez l'écouter. Hein, euh, euh... Genre deux minutes, quoi you uh -huh. Voilà, je pense que tout le monde l'a entendu. Oui, hein vous pouvez mettre votre caméra si ça passe toujours, ou au moins votre micro, hein euh, Au moins le, le, le micro. Hein Et donc, vous diriez quoi Donc, en voilà, donc là, j'ai déjà affiché le résultat, c'est pas très grave. Hein vous diriez quoi en largeur Donc, là, vous parlez pas tous à la fois, hein <laughs> euh... oui. Ou, ou écrivez-le sur, le, sur les commentaires. Si oui, écrivez-le si... sur les commentaires, c'est bien ça, oui. Hein si vous avez pu, évidemment, euh, entendre sur un système. Je pense, je pense que c'est juste petite. Euh... Intervention, Je pense que c'est mieux de ne pas envoyer sur le PowerPoint. D'accord. Parce que ça permet de superposer ouais. au fait qu'on se taise à ce moment-là et on peut écouter. Et surtout, quand tu veux parler, Patrick, tu peux reprendre la parole. Donc, alors que là, pas... ça les oblige à couper le, son, le premier son ouais, pour avoir ça. le deuxième. Ok, ça marche. Ok. Donc, on ne l'enverra vous... pas sur le prochain. Donc, je le f... je l'enverrai pas sur le prochain. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. <coughs> alors, Donc, on a du plus 9, euh... moins 9, plus 9, moins 8, plus 8. Jean-Christophe, Pedro, moins 8 plus 8, Francis, plus 8, moins 8, enfin voilà. Ouais. Hein. Sébastien, moins 9 plus 9. Mm -hmm. Moins 9 plus 9, ouais. <laughs> D'accord. Ok. Euh, bon, J'essaye d'avoir le, les commentaires. C'est que toi qui les as euh, euh, Ils sont sur le Zoom, normalement, tout le monde peut les voir. Ouais, ouais. comme j'ai un double écran, moi, je ne sais pas où. Euh... Donc tu regardes où sont les commentaires. Ah, alors sur YouTube, c'est curieux, on a oh, Sim Sim oui. qui nous dit moins 3 plus 8. Oh là, il y a un problème. Là, donc là, il y a un petit souci. Non, en fait, le... le Jean-Marc le... nous dit, j'aurais dit moins 10. <coughs> voilà, alors, on, on aurait pu mettre moins 10, mais vous allez voir pourquoi je n'ai pas mis moins 10. En fait, hein, là, l'idée, c'est de mettre... Euh, en fait, j'ai proposé donc, moins 9 plus 9. Hein. Donc, on, on, on a une avantage très, très large. Mais, bon, alors, ça dépend comment sont disposées vos enceintes, mais c'est presque moins 10 plus 10, mais vous allez voir qu'il y a une grosse nuance entre moins 9 plus 9 et moins 10 plus 10 alors quand euh, euh, ceux qui ont parce que j'ai ah, on a du moins 9 plus voilà, 9 alors il ne faut pas voilà. oublier pour ceux qui nous regardent sur Youtube évidemment qu'on a bien 30 bonnes secondes de décalage ah, oui. donc ça peut arriver un petit peu en retard ouais. voilà, mais, mais tout le monde est assez, assez d'accord on a sur du moins 9 plus 9 moins 10 plus 10 voilà, alors, donc voilà, si vous avez. On a Frédéric qui a carrément détaillé tous les instruments. contre basse. Oui, c'est. Violon à 10, Oui, d'accord, Moins 10 plus 10, Guillaume, ouais. Tout à fait, d'accord. Là, c'était la scène sonore globale. Voilà. Ok, alors, moins 9 plus 9. Donc, c'est bien. Donc, maintenant, on va continuer et on va passer à un deuxième extrait qui va être un petit jazz, donc, Dave Brubeck. Donc, c'est un. Euh, donc euh, piano basse euh, piano contre basse batterie donc je ouais, le mets ouais, juste ouais, pour euh, savoir voilà, tu ne le mets pas donc, voilà pardon ouais ne je, je le mets pas moi enfin, voilà, un petit mets silence pas. Voilà. après je refais un petit montage euh, ouais pour YouTube pour les mettre ouais alors je ne le mets pas donc vous l'écoutez hein en plus quand je le mets j'ai vu que dans mon animation là <laughs> j'avais pas vu ça met le résultat tout de suite ah ouais. <laughs> c'est pas bon <laughs> ouais. donc on, on, se donne, on se donne deux minutes voilà, euh, ça dure euh, deux minutes maxi, ouais, euh, chaque extrait, hein, entre une et deux minutes. Deux minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça sur le euh, N'hésitez pas. Voilà. pas à mettre les commentaires. J'ai les photos de la session, Patrick, que tu as proposé en, en extrait numéro 2. Alors c'est très rigolo parce que ça explique ce qu'on entend. Ça, faudra... En accès numéro 2, c'est-à-dire bah, Ce qu'ils ce qu sont en train d'écouter. D'accord. J'ai les photos de la session qui expliquent très bien ce qu'on entend. D'accord. Okay. Ah oui, 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 d'accord, tout à fait. oui. <laughs> c'est très bien. Ah oui, d'accord. Ah, <laughs> ah, génial. Ah, génial. Je... Bah, tu me l'avais caché, ça, euh, Pierre. Oui, oui, je ne l'avais pas dit, mais je te... je te les trouverai. <laughs> Avec, volo... Avec plaisir, oui. Alors, il y a des résultats qui arrivent. Moins 10 plus 3. Moins 10, 6, 7. Quentin, moins 10 plus 5. Ah, moins 10 plus 5, pas mal. Moins 10 plus 3. Sur moins YouTube, 9. ça dit quoi Samuel, ah. moins 8 plus 3. Mm -hmm. Moins 9 plus 4. Extrait 2, moins 8 plus 2. Donc, vous voyez, c'est quand même assez, euh, oui, oui, assez bah, cohérent. Hein. Oui, oui, tout à fait. On est. On Alors, est... Guillaume qui nous fait la blague, moins 10 plus 4,99. Donc, on a dit qu'on éliminait les virgules. Ah <laughs> oui, on éliminait les virgules, là, c'est vrai. Oui. Ouais. Les 17... 9,5, ça n'existe pas non plus. <laughs> vrai, fois, <laughs> voilà, débats, donc, on... hein. Vous avez remarqué que cet extrait est extrêmement déséquilibré. Alors, quand on regarde, hein, donc on va pas passer trop de temps dessus. Donc, quand moins on 10 plus regarde, 2, Romain, ouais. <laughs> voilà. il y a du moins donc, 10. Voilà. Quand on regarde, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'on est à moins 10 plus 4. Alors, le plus 4, bah, c'est le charlet. Hein. Il est à peu près autour de plus 3, plus 4. Euh, si vous trouvez plus 5, ce n'est pas grave. Si vous avez plus 2, pas... ça dépend de vos systèmes d'écoute. L'essentiel, c'est de... de... Et on n'est pas, pas obligé d'être tous d'accord. Hein. L'intérêt, c'est de partager, euh, de, de, de pouvoir partager et de comprendre ce que l'autre euh, euh, entend. Et qu'on n'a pas les mêmes systèmes d'écoute, etc. Bon. Par contre, il y a un truc très, très précis, là, très simple. Hein, là, c'est que le moins 10, il doit être en, en gros, euh, euh, j'irais euh, quelque chose d'universel de, de, au niveau de la quantification pour tout le monde. Pourquoi Parce qu'on a le piano. Et le piano, si vous écoutez dans, dans des, vos enceintes acoustiques, ben, on, vous allez vous dire, mais votre cerveau va dire, bon, c'est pas un piano, c'est un haut-parleur, là. Parce que le piano, il est complètement collé dans le haut-parleur. Quand je dis collé, il n'est pas derrière, il n'est pas à côté, il est dedans. Donc, ce qui fait qu'on va dire que le piano, là, il est en source réelle et non pas. Alors que tout le reste, c'est ce qu'on appelle une source virtuelle, puisqu’elle n'existe pas entre vos enceintes. Hein, il n'y a pas de son qui sort entre les enceintes, puisque ça va être recréé par le cerveau et c'est précisément ce qu'on appelle la stéréophonie. Donc, en fait, le, le, le piano, lui, il n'est pas en source virtuelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas être recréé par votre cerveau, hein, par l'artefact qu'on appelle stéréophonie précisément, mais il va venir complètement. Dans, il est complètement collé dans le dans l'enceinte de gauche. Et euh, évidemment, ben, euh, ce qu'il y a, c'est que ça va être un petit peu, ce que je fais souvent comme parallèle avec les dans, dans les stages, c'est un petit peu comme dans un film avec qui est sous-titré. Vous pouvez pas en même temps regarder l'image et simultanément, exactement au même moment, lire le sous-titre. Pourquoi Parce que ça va dans deux endroits au niveau du cerveau qui vont être différents. Et donc, quelque part, le sous-titre va être séparé. Alors, vous pouvez passer de l'un à l'autre très rapidement, mais vous pouvez pas regardez les deux, j'irai même très rapidement, mais vous pouvez pas regarder les deux parfaitement en, en même temps. Et là, une source réelle, eh bien, va être un peu de cette même manière, séparée de la source virtuelle. C'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un sous-titre dans votre message musical hein, par rapport à votre scène globale. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence. Vous voyez, je fais une grosse différence entre euh, euh, dire qu'il y a une... Une, une, une source sonore à moins 10 ou à moins 9, comme tout à l'heure. Parce que vous voyez, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dichotomie dans la source, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de rupture dans cette largeur. Alors que là, il y a une rupture dans la largeur, cest que vous avez, alors, il y a moins d'instruments, vous allez me dire, mais quand même le piano, vous il n'a pas la dimension d'un piano, il est complètement dans l'enceinte proprement dit. Hein. s'il était décollé derrière par exemple hein, parce que même en monophonie on peut avoir des, des, des sources qui sont décollées derrière je dirais que c'est A-9 alors ça c'est dans, euh, dans notre convention que je propose hein, évidemment hein. on peut proposer autre chose mais euh, ça permet de d'identifier euh, une source qui est en source réelle ou une source qui est en source virtuelle et dans notre euh, ressenti c'est pas du tout la même chose parce que vous allez le voir vous allez voir pas dans ce soir mais dans le, le, le stage hein, eh bien euh, le fait d'avoir une, une, une source virtuelle ça permet au cerveau d'avoir quelque chose à imaginer ça déclenche l'imaginaire un peu comme quand vous êtes dans un bon bouquin vous voyez et que vous allez lire et on vous appelle hein, on vous dit Pierre oh Pierre Pierre tu m'entends Pierre et Pierre est en train de lire vous voyez il est il est en train il, est, il est complètement absorbé dans sa lecture et on, quand il était petit hein, ça en général hein, ça, ça nous est tous <laughs> arrivé hein. et puis on dit Pierre tu entends ah, bah, et oh Pierre oh ah! m'a appelé, vous êtes complètement dedans Eh bien quand vous avez l'intérêt de la puissance de la stéréophonie, c'est de recréer en fait quelque chose de similaire où vous allez, j'irais en fait créer votre imaginaire, enfin créer votre ami génère, oui, vous-même qui peut correspondre à la source réelle ou pas, c'est pas grave, mais l'intérêt c'est que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter et, et, et à imaginer tout ça et émotionnellement c'est pas du tout pareil que d'avoir une source collée d'un haut-parleur voilà, donc c'est pour ça que c'est très très important de bien euh, discerner euh, tout ça hein, et euh, les deux, euh, une source virtuelle par rapport à une source réelle. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de très puissant, ça ici. Alors, vous savez, vous vous souvenez, dans les... moi je me souviens quand j'avais euh, euh, 16, 17 ans, euh, tout ça, que je découvrais la l'astérophonie à l'époque. Hein, et euh, il y avait euh, les, les Jimi Hendrix Experience, il y avait euh, Beatles, il y avait plein de. Voilà, donc tous les. Choses qui ont baigné un petit peu mon adolescence, on va dire. Euh, et euh, il y avait, ça faisait zim, boum, de pan, la batterie d'un côté, la basse de l'autre, enfin la, la, la guitare de l'autre, la voix au milieu, tout ça. Et euh, au début, c'était très rigolo. On se disait, waouh, parce que c'était nouveau. Et puis que, bon... Mais très rapidement, on s'est aperçu que c'était très chiant quand même, quoi, parce qu'on n'arrivait pas, alors, outre le côté musical, bien sûr, mais c'était quand même très limitatif de pouvoir imaginer une scène sonore. Quoi. Alors, je ne pas rentrer plus dans les détails mais vous verrez que ça c'est vraiment fondamental de euh, discerner euh, cette largeur hein des questions tout va bien ouais on a une question de justin oui, oui. justin euh, qui aurait pu intervenir dans le live mais je peux lui poser pour lui s'il veut euh, qui a du mal à exprimer la largeur. Est-ce qu'on donne une zone de présence de chaque instrument qui se trouverait plus ah ou moins de, euh, entre la gauche et la droite Alors, en fait, euh, on peut faire ça, bien sûr. Euh, ça, c'est plutôt après qu'on est dans un niveau avancé. C'est ce qu'on va faire. Euh, et surtout qu'on va faire un mixage, cest que c'est à vous. Là, on écoute un produit tout fini, mais après, en tant qu'ingénieur du son, c'est à vous de déterminer la largeur de chaque instrument. Mais chaque instrument a une certaine largeur qui n'est pas ponctuelle. Hein, euh, très rarement. Hein. Euh, ça peut, hein, si on a un tout petit son très, très dans l'aigu, un triangle, par exemple, et encore. Mais, bon, voilà. mais globalement, dans la première question à poser, là, pour dans, dans les bases, c'est globalement, on a une scène sonore hors réverbération, hein, qu'on essaye d'imaginer. La réverbération va modifier cette scène sonore, mais peu importe, pas la, on ne va pas se centrer dessus. Hein. Et c'est où commence à gauche et où termine à droite cette scène sonore. Donc, c'est une, une vision globale où on va intégrer pour répondre à la question de euh, Justin, c'est d'intégrer en fait toute la, euh, on va dire toute, euh, tout, tous les sujets sonores, tout l'ensemble des sujets sonores. Et après, bien sûr, on, dans un deuxième temps euh, plus avancé, hein, on peut décortiquer après les. Mais on verra qu'on ne le fait pas tout à fait. En cette essayant manière. de faire abstraction de la réverbe aussi. Ouais, toujours, ah oui, euh, oui. La réverbe va influé, mais en fait, on essaye de pas se focaliser sur la voilà. réverbe. Que okay. sur les timbres, sur les voilà. Voilà. bon ça c'est juste une donc une alors déjà la première chose c'est de ok merci euh, donc ça c'est vraiment important de savoir quelle est la largeur autrement dit la, la, la panoramique de ce qu'on appelle hein, donc euh, comment euh, le panoramique de notre scène sonore en, dans ce qu'on appelle la base térophonique entre les enceintes bien sûr qui doit être avec un angle de 60 degrés hein, pour euh, à, euh, si vous n'êtes pas à 60 degrés comme dans un casque on est à 180 degrés donc forcément tout est différent c'est pour ça que dans un casque, ça va, pas être, ça va être difficile de transposer, sauf quand on a beaucoup d'habitude, évidemment, par rapport à un sujet sonore. Okay on va prendre un autre, par exemple, ici. Alors maintenant, on va prendre un autre, un, autre, un autre dans les critères de construction. On va prendre le relief. Alors, le relief, on a la profondeur, on ne va pas passer dessus parce que le relief englobe la profondeur, mais on va amalgamer relief et profondeur, en fait. Donc là, maintenant, on a toujours notre zone stéréophonique avec notre triangle d'écoute hein, 60 degrés, hein, qui n'est est pas lié à moi, ça c'est lié à la norme euh, ITU. Hein, donc là, euh, euh, donc préconisation d'avoir… Après, on peut diverger, avoir un peu plus, un peu moins, suivant la distance d'écoute, comme euh, nous dirait Bernard Lagnel. Mais globalement, on est autour de 60 degrés. Voilà. Et autour de 60 degrés, maintenant, on ne va pas chercher d'identifier en fait euh, là ce qui est le plus à gauche et ce qui est le plus à droite dans la scène sonore toujours hors réverbération mais ce qui est le plus devant par, enfin ce qui est le plus derrière, à l'arrière et ce qui est le plus à l'avant en général c'est plus facile de commencer par la, la, euh, par euh, 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 décoder en fait ce qui est le plus au au euh, j'irai à l'infini on va mmh. dire hein, très très loin hein. là on va revenir sur cette notion d'infini hein, on mettra une note à 10 et puis plus qui est devant, on notera une note à zéro. Alors, le 10, c'est la notion de l'infini, mais du plus loin sur tout possible. Alors, bien sûr, c'est contextuel, ce 10, hein, parce que ce 10 va dépendre du contexte d'enregistrement. De, si c'est, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, l'opéra, par exemple, eh ben, le 10, ça va être 20 mètres ou 30 mètres, hein, 40 mètres. Mais si c'est dans une petite salle de jazz, par exemple, hein, ben, ça va être 10 mètres. Et puis, si c'est à la campagne, ça va peut-être être 2 km. Vous voyez, euh, ou plus. Hein. Donc c'est un petit peu contexte. C'est dans le contexte du, euh, que vous connaissez, que vous pouvez imaginer euh, le plus loin possible que vous, vous avez. Euh, je dirais, vous allez euh, situer la source sonore. Et puis après, une fois que vous avez situé le plus loin, vous situez le plus près. Hein, qui va et, et le plus près, bah, ça va être le plus près qu'on peut imaginer, ça va être dans le plan des enceintes. Hein. Euh, en stéréo, bien sûr, en multicanal, on peut envisager autre chose, mais euh, en stéréo, eh bien, on, 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 ça va être le plan des enceintes, on va le dire, c'est à 0. Et si on a quelque chose de à 0 et quelque chose à moins 10 dans la scène sonore, hein, en sujet sonore toujours hors réverbération, eh bien, euh, on va considérer qu'on a un relief de 10. D'accord hein On va le situer juste pour vous, pour vous montrer. Euh, pour illustrer ça, euh, j'irai d'une manière pour euh, euh, ressentir. Euh, pour ressentir. On va commencer par Oliver Jackson. Oliver Jackson, donc mmh. euh, un petit morceau de jazz. Vous pouvez y aller quand vous voulez pour. C'est l'extrait 3. Ok. Donc je vous le laisse écouter. Et là je vous donne pas la réponse avant. <laughs> OK Voilà, celui-là. Ah ben oui, j'essaie de mettre des mots intéressants en tant qu'affaire Après bon, c'est ça, ça, ça Alors, euh, vous pouvez nous envoyer vos notes par les notes par, le, par la, la, la discussion. Hein Je 2 à 8. Pierre me fait, nous fait un coucou. Il me fait un message discret pour nous dire qu'il est obligé de nous laisser. Pierre, tu oublié, pas de Pierre. problème, Pierre. Ok. Et est puis, merci bah, on... d'avoir été avec nous. Ouais. Et puis, merci. À bientôt. Alors. Avec <laughs> grand plaisir. Bonne écoute et à très vite. Ciao, ciao. Merci, Pierre. Pierre. Bonne soirée bon. à toi. Bye-bye. Alors, 2 à 5. Alors, voilà, les réponses arrivent. Euh, 3 à 4. Piano 1, batterie 4. Mm. Alors, 6. Ok. Mmh. On a Christophe qui dit de 2 à 5 au casque. Alors là, c'est vrai que c'est encore autre chose. Alors, au casque, c'est plus, plus. On peut avoir une idée, mais bon. Hein. Mais c'est bien. L'essentiel, c'est de quantifier, hein, de faire l'expérience. 0, ouais. Piano 0, batterie 5. Ouais. Euh, contre 1 à 4. 1 à 4, ouais. Ok. Alors. on Lénis, faire le plan, comme disait Patrick, devant et derrière. Et ah, du voilà. coup, le relief, vous aurez oui, la oui, différence oui. entre les deux. Voilà, c'est ça. la différence. Hein, c'est la différence. 0 à 4. Le, le relief, si vous avez 0 à 4, ça veut dire que votre relief est de 4. Hein. Si vous êtes de 1 à 4, ça veut dire que votre relief est de 3. OK C'est ça ce qui relief, est intéressant. Moi, je fais la parenthèse. On peut avoir peu de relief, relief que ce soit devant, ou peu de, ou peu de relief et que ce soit derrière, bien sûr. Mm -hmm. OK Mais c'est bien de, de terminer de, ouais. les deux, euh, l'avant et l'arrière. Oui, tu disais, Nico de 4... Non, je disais, ce qui est intéressant, c'est… Alors autant sur la largeur, effectivement, euh, comme tu l'as évoqué, la nuance entre enceinte et casque, évidemment, on aura une grande oui. différence. Et c'est vrai que sur ce critère-là, la profondeur ou le relief, euh, les résultats peuvent être très différents. Et c'est vrai que c'est là où on sent l'influence du système d'écoute. C'est intéressant. Euh, souvent non. les retours qu'on avait eu des gens euh, nous disaient, mais je ne comprends pas, euh, ouais. lors du stage, on avait une profondeur de temps, et puis à la maison, on n'a pas les mêmes. Bah, oui. et, et là, c'est marrant, parce qu'il y a déjà des petites nuances. Ouais. Euh, alors, donc, ça prouve qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes écoutes. Bien sûr. Alors, je, on va, oui. je, je, je vous propose donc là, euh, je vous propose, c'est une proposition, mais globalement, euh, je dirais, euh, on est autour de ça de toute façon. Hein. C'est entre oui, après, 0 et 4, c'est qu'en gros, on est à trois de relief donc là 0 et 4 c'est qu'en fait il n'y a rien derrière il y a un peu de réverb, effectivement hein, derrière mais comme on ne veut pas on veut imaginer en fait les sources sonores alors suivant votre écoute effectivement c'est que ceux qui trouvent 8 c'est qu'il euh, bah, y a un truc qui va pas hein. ceux qu'on ouais. trou trouve 5 pourquoi pas encore un hein, 2 à 5 hein, au casque c'est pas voilà hein, euh, 1 à 4 bon ça va mais globalement vous voyez que alors après on peut échanger sur justement ce qu'on perçoit et c'est ni bien ni mal c'est juste euh, un peu différent et ça nous permet. De... Alors, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est <coughs> que là, on est en train de parler le même langage. On n'est en train de se dire est-ce qu'il a fait une fausse note, est-ce qu'il y a de la dynamique, est-ce qu'il euh, est qu y a du grave, est-ce qu'il y a de l'aigu etc. Au moment où vous dites, où vous quantifiez le relief entre, euh, j'irai la prof, autrement dit, la, le, la, le plan avant, le plan arrière et le plan avant, vous ne pouvez pas être distrait par autre chose. C'est que la quantification, et c'est ça le gros intérêt de cette méthode, c'est que la quantification nous permet de parler le même langage avec les mêmes mots bien sûr Absolument. mais surtout de parler le même langage et ça c'est fondamental parce que si on fait pas ça eh bien euh, on va facilement se laisser distraire à d'autres euh, d'autres choses et la discussion elle tourne en rond comme vous le savez habituellement et puis au bout d'un moment au, au bout d'un quart d'heure de discussion en fait euh, qu'on sait bien euh, chip, euh, un peu chipoté tout ça euh, eh ben on se dit bah ben, en fait on, on entendait la même chose et on était d'accord quoi <laughs> sauf qu'on on l'exprimait pas de la même manière là c'est quelque chose qui permet à un hein, moment où on dit on quantifie, au moment où on quantifie, on peut pas être distrait par autre chose. C'est juste impossible mm. du, du fait que on bloque en fait le, le cerveau gauche hein, sur la quantification et on laisse le cerveau droit. <coughs> enfin, on, on sépare les deux, en fait, hein, qui va pas euh, interpréter. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Non, mais... non, mais c'est clair. C'est est ça qui, est, fin, qui moi, m'impressionne toujours autant. C'est qu'on n'est plus dans la fake. Tu le répètes tout le temps, mais moi, je le répète. Moi, je, je parle en tant que. Euh, je ne vais pas dire novice, mais je, je découvre au fur et à mesure. Et moi, le, la méthode, je l'ai faite plusieurs fois et j'apprends toujours en la refaisant. Et, et c'est vrai que quand on la pratique même tous les jours, euh... enfin, c'est extrêmement puissant. Voilà. Bon, <laughs> non mais c est, c est parce que je, je lis les commentaires, on a des, on a des profondeurs jusqu'à 8. Et c'est vrai que... Ben, c'est beaucoup. Donc ça, moi, j'ai juste une remarque à faire, parce que dans les commentaires, il ouais. y a quelqu'un, je crois que c'est T Junior, qui aurait fait aussi l'ambiance de la salle. La salle ne fait pas partie du, du, du relief. C'est important oui. de, de le préciser aussi. Trading... Tout à fait. tout à fait Alors après, j'aurais mis un un, un. un, ça voudrait dire qu'on entre. Devant, par ouais. exemple. Un, hein, c'est ouais. un petit peu violent. Après, ça dépend du système d'écoute, vraiment. Hein. Il y a des systèmes d'écoute qui vont... Et ça, d'un système d'écoute à l'autre, on va plus ou moins comprimer ce relief. Hein. Ça, c'est des choses qu'on voit après et qu'on on écoute, hein, effectivement. Hein. OK On passe à la suite. Bon, c'est pour montrer Je, le principe. J'aurais hein. presque <coughs> envie de faire un petit, un petit, une petite parenthèse aussi sur euh, un truc qu'on aborde lors du stage. C'est euh, ce qu'on appelle les critères à l'envers. Parce que là, on le fait d'une manière... Voilà, on écoute, donc on on est là à juger un mix et c'est vrai que... Euh, on va en, parler à, min... on on peut en parler, parler à la fin. On peut, la on peut en parler à la fin D'accord. Parce la profondeur, c'est un critère hyper intéressant, je trouve aussi, ah oui. De... oui, parce que... point de vue prise de son. Ce que, ce que veut dire Nicolas, hein, juste pour euh, introduire, c'est que qu'on écoute un morceau tout mixé, là, mais <laughs> quand vous faites un mixage ou une prise de son, c'est vous qui déterminez quelle est la profondeur, le relief de chaque instrument et donc, quel est le relief qu'il va avoir globalement. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste, euh, c'est votre choix. Voilà. Mais faut il faut qu'il soit clair. Et tu ça peux, permet de le clarifier. Chose. Oui, tu ah, peux dire Bernard. Je, Bernard. je savais qu'il allait intervenir. Non, ben voilà. <laughs> ouais, sur le relief, euh, oui, parce que euh, c'est oui. un peu mon dada quelque part, euh, donc euh, voilà, par rapport à la stéréo. Mais euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le relief, ça implique aussi euh, la notion d'air autour des instruments. Sûr. Euh, ça, c'est quelque chose euh, audiophile, quelque part aussi, hein, les audiophiles emploie aussi cette notion d'air autour des instruments et donc de, de séparer donc les plans, les instruments et dans un espace donc en profondeur aussi. mais, euh, mais voilà donc c'est une matérialisation. Euh, des instruments euh, aussi, euh, tels qu'on peut les avoir. Voilà. Tout à fait, tout à fait euh, Bernard. Mais de toute façon, oui. l'idée, c'est vraiment des critères de base. Après, bien sûr, on va affiner tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, un, un instrument, on va dire, tiens, là, on le situe par exemple, euh, je ne sais pas, moi, la contrebasse, par exemple, on va la situer par exemple à, 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 à 3, par exemple, ou 4, mais ça va être, des fois, c'est entre 3 et 5, parce que justement, il y a de l'air autour et. C'est okay. pas ponctuel, hein, le, la, la limite est pas est pas franche forcément. Mais ça, on le voit après. Là, pour le moment, on dégrossit. En fait, l'idée, c'est toujours ce que je dis dans, dans, dans les stages. En fait, euh, il faut pas trop réfléchir au départ. Oui. On réfléchit après. Mais au départ, je dis toujours pour les amateurs de, de, de Jedi, hein, c'est laissez-vous guider par la Force. Hein. Mais c'est un peu ça. C'est bon, une plaisanterie bien sûr, mais pas tant que ça. Euh, en fait, c'est la première impression en général qui est, qui est la bonne, et après on essaye de voir autour. Mais en fait, l'idée c'est de ne pas dire c'est parce qu'il y a de l'air ou parce qu'il n'y a pas d'air. Euh, évidemment, c'est important, mais après, euh, mais dans un deuxième, euh, au départ, au niveau de l'apprentissage, oui. au départ, faut pas se poser cette question-là, en fait. Voilà, c'est juste que. On n'est pas bon, encore dans le comment. Là, c'est juste une introduction, hein, donc euh, voilà. Donc on essaye oui. de de ne pas réfléchir à ça, de dire où est-ce que je le situe. Alors, bien sûr, il faut avoir un système d'écoute, puis se dire tiens, là, je le situe. Et on peut se tromper, et c'est pas grave, et au oui. contraire, c'est pédagogique. Mais oui. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, dans une salle, on est plus euh, là. Et puis, bah, si vous êtes tout seul à dire tiens, moi, euh, je le trouve à 5 et que tout le monde le trouve à 2, par exemple, à une profondeur, par exemple, vous vous dites bah, là, il y a un problème. En gros, ça veut dire qu'en gros, c'est pas dit que vous êtes nul. Ça veut dire qu'on avez... ne parle pas de la même chose. cest à en fait, vous vous n'avez pas fait le bon circuit neuronal. Hein et ça, c'est vraiment très important pédagogiquement, on va dire, pour aller vite, justement. Hein Quand, et, et ça, c'est le, le groupe qui va permettre d'amener ça aussi, qu'on n'a pas forcément ici, puisqu'on est en groupe, mais un peu à distance. <laughs> et puis, on n'écoute pas tous la, la, dans les mêmes conditions. Et oui. voilà. On va passer à un autre extrait, hein, qui mmh. est, euh, est un Ave Maria de César Franck. C'est parti, c'est le morceau numéro, numéro 4, je crois, je ne les ai pas référencés sur vrai. le port C'est bon. bon. le 4, hein, euh, hein. Euh, oui. Ok, donc je vous laisse écouter. En réverbération toujours. Hein. Vous ne posez pas la question de ce point de vue-là. un petit peu plus long, mais je pense qu'on a une idée assez rapidement. De, oui, pouvez rapide, oui, oui, voilà. C'est <coughs> assez ra rapidement, on peut avoir une, une idée. Donc, qu'est-ce que vous noteriez, là Donc, euh... ah, ça fait, oui, il nous dit Julien, ah, oui, ouais, ouais, tout à fait, oui, a... c'est vrai qu'on va... Voilà, oui. Ok, donc vous, vous noteriez quoi, là J'ai déjà un retour. Alors, Frédéric, 2 à 7. 2 à 7. 4 à 6. Dans Christophe, 0, 4, à 6. 4 à 6. Alors, sur YouTube, j'ai Olivier qui dit 4 ou 3. Alors je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. 7. 6 à 8, 7. C'est 7 de, 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 de relief. Ouais. 3 à 7, oui. 6 à 8. D'accord. 1, 5, 3, 6. 5, avec la voix, pas sûr, oui. Jusqu'à 8 sur YouTube. Alors, on va, on, va, sur... On, va, on, va, on va accélérer un tout petit peu. Hein donc, pour vous permettre de, de bien. Alors, j'essaye de décaler mon truc. Là, voilà. OK, là, pour voir tout le monde. Alors, là, euh, en fait, là, donc, parce que sinon, on va... je ne vous ai pas trop de temps quand même. Et là, donc, eh bien, si on, on caractérise, là, eh bien, on va se mettre à, on va dire, on est à 4, et en gros, on est entre 6 et 10. Ou ça peut être euh, euh, 5 et 9. Alors, effectivement, l'orgue, on imagine que vraiment, il y a des, des notes qui sont très, 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 très loin, là, à l'infini de ce qu'on peut euh, entendre. Hein, c'est encore une fois une proposition, hein, c'est pas... voilà euh, et puis la voix, effectivement, est plus devant. Hein. On dit avec la voix, ça change, effectivement. Mais la voix, elle est, on la situe plutôt autour de 5 ou 6. Hein. Voilà. Après, on, si on dit 5 ou 6, on ne va pas se bagarrer. Par contre, si on dit que la voix est à 0, ça veut dire qu'il y a un problème sur le, votre écoute. <laughs> ou sur oui. le fichier que vous, avez, vous, vous entendez. Quoi, hein. Euh, parce que voilà, donc globalement, on a une, une grande profondeur, mais on a peu de relief comme tout à l'heure, sauf que tout est derrière, là. Hein, plutôt derrière. Vous le réécouterez à tête reposée, ça. Hein. On va aller un petit peu plus vite, donc là, on va continuer maintenant et on va prendre un petit Michael Jackson, Young Girl. Allez, c'est parti. On ne va pas l'écouter jusqu'au. Enfin, on va l'écouter une, une première partie, là. Hein. Allez-y, ça, soit... ça doit être assez rapide, ça. Il est intéressant aussi, Il y a une longue intro en plus. Oui, alors il faut, juste. L'intro est importante, hein, l'intro oui, fait oui, partie oui, oui. Du, du, de la quantification. Il faut aller jusque jusqu'à jusqu le moment où ça chante et il y a tous les instruments qui sont arrivés. C'est ouais. ça. C'est bon pour tout le monde Voilà, si c'est bon pour tout le monde, vous pouvez commencer de nous donner les résultats. Alors j'ai Olivier sur YouTube qui dit 1. Je pense que le 1 doit être le premier plan. Oui, oui premier le, plan. Faudrait, plans, le, hein. Oui, c'est les deux plans. Oui, c'est le dernier plan. Bien entendu, quoi, Bien sûr, le, le dernier plan et premier plan. Donc ouais. l'élément qui paraît le plus éloigné dans le mix. Jean-Christophe qui y nous y dit indice au casque. Intéressant. 06. 2 à 6. 07. 2 à 6. 0 à 7. Alors. Laurent 15. Je vais vous donner le, le résultat et là il est, il doit être. Euh, pour, normalement pour tout le monde enfin par rapport à un système d'écoute en celui-là fait dans les stages en tout cas il fallait l'unanimité hein. donc là si on regarde ça on a en fait 10 de relief c'est qu'en fait on a un, un dernier plan si on, a, si on prend l'introduction hein, les, les, les nappes de synthèse tout ça on peut imaginer euh, ce qu'on veut hein, suivant ce qu'on a on a bu ou fumé la veille, <laughs> hein mais euh, c'est en gros à l'infini. Hein. On a des même de l'écho, tout ça. Enfin, on peut imaginer des oiseaux, on peut amuser ce qu'on veut. Hein. Voilà. Euh, et puis euh, le, le zéro, euh, bah le zéro, ça serait quoi hein bah, C'est le kick. Hein, le kick, il est vraiment devant. Il est vraiment dans les enceintes. Il n'est pas très matérialisable d'ailleurs, mais il est, il est, il est, il est devant. Hein. On le sent devant. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une proposition. Voilà, donc là, un morceau où on a un relief euh, énorme entre euh, de 10, entre 0, donc le premier plan, et 10, le dernier plan. Voilà. D'ailleurs, c'est pareil si on voit comment sont faits les enregistrements à l'époque de Michael Jackson, parce qu'il y a, des, il y a de, pas mal de, de, de trucs dessus. Le, le, la grosse caisse était vraiment à 0, parce qu'il mettait une espèce de housse pour, 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 euh, pour isoler <laughs> le micro de la grosse caisse du reste. Donc, c'est vraiment quelque chose de, <laughs> comme une boîte à rythme. D'accord. OK, OK. Voilà, donc euh, si vous n'avez pas le temps d'écouter tout le temps, vous, vous, vous avez les extraits, vous pouvez toujours les réécouter oui. après. Hein, D'accord Donc on continue. On va parler un petit peu d'équilibre de spectral. On ne fera peut-être pas tout. Hein. Euh, je, on, va, on va passer à, un petit peu plus ouais. vite maintenant que vous avez compris le principe. Hein. C'est juste un, une petite mise en bouche, hein, on va dire. Hein. voilà. <laughs> donc là, l'idée de l'équilibre spectral, c'est, vous connaissez déjà un peu le principe, hein, c'est est-ce qu'on on va, on va, on va l'utiliser en termes de... De, 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 comment dire, de, euh, de relatif hein, en, en, en termes de vase communicants C'est qu'en gros, est-ce qu'on perçoit la même énergie dans le grave, le médium et l'aigu quantification sera euh, entre moins 5 et plus 5. Et si on perçoit à peu près la même quantité d'énergie, euh, j'irai, euh, pour tout euh, de, 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 du grave à l'aigu, hein, eh on mettra 0. Alors bien sûr, ça, ce sont les, les critères de base. Après, on a des critères avancés. On va passer dans... On, 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 on s'aperçoit que grave médium aigu, c'est bien pour débuter mais c'est pas suffisant en général pour notre euh, euh, qualifier cet équilibre mais bon voilà donc euh, alors encore une fois c'est quelque chose qui est perceptif hein, et qui est pas forcément si vous mettez un analyseur de spectre par exemple hein, avec un micro vous n'avez pas forcément trouver ce que vous entendez ça va être en même temps que dans cet équilibre là spectral on va être influencé par notre culture d'écoute bien entendu mais ce n'est pas grave. Dans un deuxième temps, on voit comment, justement, on va distinguer l'équilibre spectral physique et puis lié à la culture d'écoute. Mais ça, on le fait dans les, dans les stages, ça, après. Mais dans un premier temps, j'irai, on ne se pose pas de questions. C'est comme ça, très, très rapide. Alors, on va commencer par un morceau, un trio de jazz. c'est un petit trio que j'ai enregistré à l'époque. Non, ce n'est pas, pas celui-là, excusez-moi. Ce n'est pas moi qui enregistre. <laughs> c'est un trio de jazz que je n'ai pas du tout enregistré. <laughs> voilà. Alors juste pour que les gens comprennent, en fait, la réflexion, c'est de dire que les médiums sont toujours à zéro. Oui. Et après, on va quantifier les graves et les aigus <laughs> par rapport à ces médiums. Donc, par exemple, s'il y a plus d'aigus, vous allez à dire, est-ce qu'il y a plus 1, plus 2, plus 5 étant le maximum que vous fixez quoi. Et pareil pour les graves. Voilà. Si merci, j'avais oublié, j'ai omis cette... Euh, nos, fait, cette euh, euh, j'irai euh, démarche euh, qui, qui est volontaire de notre part pour pouvoir euh, communiquer entre nous et comparer merci julien alors allez-y c'est parti alors il faut attendre l'entrée il faut attendre un petit peu parce que ça rentre tout doucement hein. Très belle largeur au passage. Oui, mais ne va pas être troublé. <laughs> non, on parle pas de la largeur. Pas enfin, mon genre. Ok. Bon, on, pour le but d'attendre la fin, si c'est bon pour tout le monde, euh, vous pouvez. Là, il faudrait en... mettre une petite euh, genre une petite lettre A et la et la valeur que vous voulez mettre, voilà. Pour que ce soit clair, parce que plus 2, plus 3, ça oui. veut pas... Voilà. Euh, on peut faire dans l'ordre... Euh, on a Fédéric qui nous dit aigu plus 3 et basse moins 2. Mm -hmm. ouais. Donc médium à zéro, bien sûr. Alors, pour vous orienter, là, dans, dans ce cas-là, hein, eh bien, en fait, ce que dans ce morceau-là, si, euh, si vous avez quelque chose de... Enfin, comment dire Une écoute à peu près équilibrée, normalement, on devrait être autour de 0, 0, 0 après ça dépend de votre type d'écoute mmh. et voilà et après il faut au départ vous savez il y a beaucoup de divergences on s'aperçoit dans les stages puis petit à petit on voit que ça, ça, se, ça se réduit énormément ouais. dès le deuxième jour d'ailleurs de stage hein. euh, ouais. donc, euh... mais au départ c'est normal de voir des divergences aussi hein. là la proposition que je vous fais c'est globalement quelque chose d'équilibré après ça dépend de votre système d'écoute et puis vous êtes influencé par votre culture d'écoute aussi forcément et ça c'est des choses qu'on voit après et qu'on mmh. on, on, on voit d'une manière ultérieure hein, euh, je dirais euh, c'est pour débuter mmh. hein, on est d'accord ouais. ah, voilà. donc là je vois des résultats euh, sur Facebook j'aurais une question peut-être Patrick elle glissait après mmh. euh, donc Jean-Marc qui nous dit sur Youtube donc grave 2 aigu 4 voilà Aurélien c'est ça, ça qui est, qui est, qui est étonnant c'est que par exemple Aurélien donc, sur Youtube aussi nous dit aigu plus 5 plus 5, non. Et en grave, moins 2. Non. Tu vois, donc on a et vraiment alors, des grosses différences. Se sent... alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aiguë, ou qu'il n'y a, pas... ou... qu a... Qu a pas de grave, ou il y a trop d'aiguë. Ça... ça veut dire juste, là, en fait, euh, ce qu'il faut, ce à quoi... Ça veut dire qu'il ne s'est pas centré sur la bonne chose, là, hein, sur le bon... la... la bonne distinction. C'est qu'en gros, euh, il faut, euh, je dirais, et ça, ce n'est pas forcément facile à distance, comme ça, c'est se mmh. centrer sur l'impression d'énergie globale. Hein, ouais. Et d'énergie globale. Mais cette énergie globale, elle va être corrélée à notre, euh, j'irai culture d'écoute. que bien évidemment, si on prend un écho de, de spectre, euh, l'aigu au niveau de la cymbale, il y en aura moins que, que la contrebasse, voyez, hein, clairement. Mais euh, globalement, si vous voulez, euh, en, en, euh, quand on est habitué à cette culture d'écoute, ça dépend si on est habitué ou pas, euh, on va se centrer sur l'énergie en tenant compte de notre culture d'écoute et du, oui. de la culture d'écoute du, du, voyez, si on prend de la musique brésilienne. Ça va pas être équilibré à un Brésilien, par contre, euh, complètement pas équilibré à un asiatique, par exemple. Vous voyez oui, Donc, euh, voilà. Donc ça, après, c'est des choses dont on discute après dans, dans le stage et, euh, et qu'on affine. Et De manière à justement, on sépare l'équipe physique et l'équipe. L'équipe physique, c'est l'équipe énergétique qu'on re, qu ressent à la première euh, écoute. Et c'est tout à fait normal d'être pas d'accord au départ. Parce qu'on n'a pas tenu compte. Alors en plus là, on ne tient pas compte d'un du système d'écoute différent. Mais même quand on a le même système d'écoute, on n'a pas tous la même culture. Hein voilà. C'est vrai et donc, que quand on voit qu'on a du positif et du négatif dans le grave. Voilà. C'est pour ça que. Mais c'est intéressant justement. Ça veut dire que bah, globalement. Bah hein, J'attendais la question. Euh, Jean-Marc dit voilà forcément comment on quantifie. Enfin euh, comment on quantifie. Comment on identifie plutôt les, les aigus, est-ce que c'est voilà, au-delà au de 10 kilos, tout ça? Non, non, c'est vrai que là on prend ça voilà. va être au-dessus de, de... Là, là, là en trois. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en trois bandes, c'est vraiment pour commencer ça. Trois Évidemment. bandes, ce n'est pas suffisant. Hein. Globalement, on s'aperçoit très vite. Donc, et que là, c'est en fait, en gros, c'est 20, 200, 200, 2000 et 2000, 20 000. Donc, ça fait mmh. un peu c'est un peu à, 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 à la hache là. <laughs> Mais c'est pour vous montrer, le... montrer, hein. montrer le principe. C'est pour vous montrer le principe. D'accord Donc, on ne va pas s'aterniser sa plus. Prendre... J'ai une, de, 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 une question, Patrick, ou pas Allez, fait... voilà, On, on l'a déjà évoqué, mais c'est vrai y a pas que. Pas mal de 45 cartes sur mon analyseur, oui, sans doute. Ouais. 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 Non, encore une fois, le, la question euh, voilà, de l'écoute à l'enceinte, l'écoute au casque, les deux sont valables, évidemment. Le casque, le c'est casque, euh, quelque chose qui va être assez individuel, cest que. Il y a des bons casques, mais un bon, le, le meilleur casque pour quelqu'un n'est pas forcément le même pour quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas la même oreille et c'est une question de couplage aussi. Donc, ça, le casque, c'est quelque chose qu'il faut se faire. Et justement, l'intérêt de cette méthode-là, c'est que vous ressortez avec des, euh, des choses, si vous voulez, qui sont euh, calibrées, hein, que vous pouvez après réutiliser dans le casque et tout. Et vous pouvez après translater ça sur des systèmes d'écoute que vous ne connaissez pas forcément. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va, on va continuer. Donc, ça n'est pas une erreur, Romain. Non, non, c'est pas une erreur. C'était une <rire> erreur. <rire> non, non, mais c'est normal d'être pas d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Alors, voilà un, un, un morceau c'est Banjo Express Mixage 1. Alors, ça, je pense que vous êtes d'accord, hein, plus ou moins. Allez-y. Alors, ça, c'est un truc que j'ai enregistré, par contre. Donc, c'est l'extrait 7. Extrait 7. OK moi, je pense que ça suffit, là. Bon, hein, oui, c est... C est voilà. okay. euh... Donc là, eh bien, alors, je vais vous donner le résultat. Là, on... moi, j'ai mis moins 3 dans le grave, 0 dans l'aigu puisque c'est notre convention, et plus 4… 0 dans le médium puisque c'est notre convention, et plus 4 dans, euh, dans l'aigu. Hein. Donc, globalement, c'est un morceau qui est volontairement ouais. déséquilibré, donc euh, vers l'aigu. Et après, il euh, y a un autre extrait qui est euh, le mixage numéro 2. Voilà. Bon, c'est fait... fait à l'arrache, ça. Hein. C'est pareil, c'est vraiment très… Euh... Euh, très caricatural exprès l'extrait numéro 2 l'extrait voilà. 8 voilà je pense que là il n'y a pas photo voilà. hein, pour tout le monde donc là on va avoir l'inverse c'est on, on a mis l'aigu à moins 2 on pourrait mettre moins 3 hein, et puis le, le grave à plus 3 mais bon on, on est déséquilibré dans l'autre sens Moi, là je pense que entre les deux il n'y a pas photo hein. mm. d'accord et puis on va continuer par un autre extrait. Par exemple, c'est un piano. Hein, piano, donc là. Euh, alors, euh, Julien, tu ouais, n'écoutes pas hein, ça parce que Julien a l'habitude d'avoir des super pianos ouais, ouais, mais <laughs> dans l'oreille. Ouais, <laughs> Et tu le connais. <laughs> ouais, les résultats sont, sont bien hein, de manière générale. <laughs> oui, bah, après, il y a divergence, c'est bien. Donc Roma qui met médium plus 1, donc on disait tout à l'heure, voilà, que le médium on le gardait en zéro, c'est notre valeur, euh, voilà. Par convention. Après, par la suite, quand vous utilisez la méthode, vous faites ce que vous voulez, mais. Oui, après, on peut bien sûr. Pouvoir euh, comparer et entre nous plus facilement. Moi, voilà, donc le faire. piano, et eh bien là, euh, ah. le résultat c'est euh, zéro, puisque c'est notre convention hein, dans le médium. Et puis on a mis moins 4 dans l'aigu et moins 4 dans le grave. On pourrait mettre, mettre moins 5 presque. Mais en gros, c'est un piano où il n'y a pas de grave et pas d'aigu. Il n'y a pas de résonance de piano. On a l'impression qu'on l'a qu'on a mis du, du, euh, du coton dans ce piano ou de la mousse ou, <laughs> ou qu'on a mis de, de je sais pas quoi dedans, mais globalement, il euh, n'y a pas de, pas de résonance dans le graphe. On sent bien qu'il y a des notes différentes, hein, mais il n'y a pas d'harmonique et puis il n'y a pas les de, résonances du piano dans le graphe qu'on a habituellement. Quoi. Donc là, on a un piano qui est extrêmement médium. Donc là, euh, moins 4, 0, moins 4. Bon. Vous, vous écouterez ça à tête reposée. Hein, on va continuer parce que sinon, je veux pas trop... Euh... Sinon, ça va faire un petit peu tard. Enfin, voilà. On ne perçoit pas, on ne perçoit pas les 8 pour 8 de l'impontu. Je n'ai pas compris là, Frédéric. Là. Oh, Excuse-moi, j'ai fait une erreur. C'est les 6 pour 8. Il y en a 8 à la main gauche pour 6 à, la, euh, 8, 6 à la main gauche pour 8 à la main droite parce que forcément on ah. peut pas bien les graphes. Ah, ok, ok, ok. On ouais. est un peu dans la bouillie. D'accord, d'accord. <laughs> on... Non, Ça l'a beaucoup travaillé dans la pièce d'à côté. <laughs> d'accord. Ok, ok. Je ne comprenais pas là. Ok, bon, ouais, c'est euh... pour encore une fois, c'est pour vous montrer le... Oui. Oui, j'allais juste dire un truc. C'est vrai que par contre, l'équipe spectrale euh, découpée en trois bandes de spectre, c'est oui. euh, un outil qui est assez fa facile pour appréhender une discussion avec quelqu'un qui n'a aucune, la... ouais. aucune culture sonore. Donc, c'est important de le garder toujours en tête parce que, par exemple, vous avez certains, par exemple, certains musiciens, quand vous êtes des musiciens qui n'ont pas cette culture-là. Ben déjà, au moins, le grave médium aigu, ça, ça parle déjà quand même pas mal. Quoi. Vous voyez Après, vous, dans le travail, vous n'avez pas besoin de plus de bandes. Pour, pour... Et ça, vous le verrez dans le stage. Mais en tout cas, celui-là est déjà très utile pour, des... pour une première approche avec des gens qui ne sont pas très... Mmh, sont mmh, mmh. novices, quoi. Ça permet de dégrossir, quoi. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mmh. Tout à fait, euh, mmh. Julien. Bon, on passe à la suite, donc là, un morceau Paganini, petit morceau extrait de violon, bien sûr, Paganini. Donc là, c'est l'extrait qu'on va juger, hein, bien sûr, pas l'œuvre entière, hein. bon, là, mais c'est uniquement l'extrait. Donc là, si vous écoutez... Voilà. C'est assez facile, hein. Voilà, donc là, je pense que là, vous avez tous compris. Hein, là, bah, on n'a <laughs> pas du tout de grave. Le médium à zéro par convention, mais on a, on a un petit peu, voilà. Et l'aigu à plus 5. Donc là, on a, dans cet extrait, on a l'impression d'avoir l'oreille sur le violon. Alors, bien sûr, j'ai choisi un extrait exprès là-dedans, -là mais, mais euh, je dirais que globalement, dans cet extrait, bah, il est complètement déséquilibré énergétiquement. Après, on n'est pas en train de juger si c'est bien ou mal, hein. D'accord hein, Ça peut vous plaire ou pas vous plaire en fonction du contexte. Hein. Euh, en tout cas, ça arrache quand même les oreilles et c'est peut-être voulu, mais voilà. OK, c'est factuel. Quoi. Voilà. Donc, voilà un extrait, par exemple, là où on est euh, complètement déséquilibré. OK Voilà. Alors, on a, on, a fait le tour des, on a fait le tour de, 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 de ce petit dégustation apéritive sonore, comme vous, les, comme vous le voulez. Hein. Euh, maintenant, vous voyez, donc là, euh, c'est juste pour vous faire sentir un petit peu quel genre de travail, euh, enfin, travail, plaisir, on va dire, hein, quel genre de jeu on, on, auquel on s'amuse dans ce stage. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, les critères, c'est très, très divergent la première journée, hein, un peu comme ici, mais un peu moins parce qu'on est dans le même, même lieu d'écoute quand même. Mais euh, globalement, bah, ça se resserre, c'est au départ, à la, à la fin, à la fin des troisi du troisième jour, ou même à la fin du deuxième jour, euh, on travaille en petite équipe. Hein, on va voir. Et il y en a qui disent, ah, mais euh, t'es fou là euh. Là, l'équilibre, le, 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 je sais pas, la, la, la largeur, la, la, le relief, là, c'est 3. Ah non, es, moi, c'est deux. Ah non, es, bon, on est en train de chipoter après. Quoi, hein. Alors qu'au départ, il euh, y a un écart type beaucoup plus grand, ce qui est normal. Hein, voilà. Et donc, le groupe, c'est important de faire ça aussi. Euh, c'est l'intérêt d'être en, en groupe parce que ça, c'est vraiment très important. Alors, après, bien vous voyez, on va fabriquer des petites... Euh, des petites fiches diagnostiques, comme ça, une grille d'analyse objective quantifiable. Hein on va retrouver tous les critères que j'ai donnés euh, précédemment, là, avec des notes toujours. Alors, la, note, la quantification, encore une fois, est très importante, vraiment, j'insiste là-dessus. Hein Ce n'est pas du tout, tout pareil que de dire, par exemple, un sujet est loin et dire, il est à plus 8. Ouais. Hein il est à 8, je veux dire. Hein euh, si on dit, par exemple, le sujet est loin... Eh bien, là, euh, on, est en, on laisse la porte ouverte en train de dire oh, j'aime, j'aime pas, euh, est-ce qu'il a fait une fausse note, est-ce que y a, la dynamique est bonne, tout ça. Quand vous dites le euh, sujet, ce sujet-là est à 8 sur 10, là, au moment où vous le dites, vous ne pouvez pas être influencé par autre chose, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, puissant, cette quantification. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir, euh, euh, je dirais, qu'on fait dès le départ. Puis après, ben. Euh, c'est quelque chose qui va euh, devenir d'une manière euh, intuitive mais euh, avec l'utilisation avec euh, du stage et après on n'est même plus obligé de quantifier à, 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 après ça devient quelque chose d'automatique de, 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 euh, on va dire hein. mais euh, au départ euh, c'est très très important c'est ce qui permet de faire euh, entre guillemets des miracles en trois jours <laughs> voilà alors voilà de, donc les grilles d'analyse hein, d'écoute donc à chaque fois donc on remplit des grilles tout ça voilà donc, euh, voilà alors ces grilles, ben, on va les faire en apprentissage euh, au niveau, ce que j'appelle au niveau 1. Donc, c'est les critères de base, tels que ceux qu'on a énoncés dans, dans cette petite présentation-là. Hein. Donc, ça, c'est l'apprentissage au niveau 1. Hein. On va après introduire ces critères en niveau avancé, au niveau 2. Alors, je ne vous en parle pas parce que ben, quand vous viendrez, euh, vous les découvrirez. <laughs> voilà, ces critères niveau 2, ils sont bien sûr un peu plus complexes. Hein. Euh, mais ils sont, c'est les critères définitifs, on va dire, qu'on utilise après. Euh, toute votre vie, on va dire hein, après, hein. et puis qu'on peut aménager en fonction de ce qu'on veut. Après, l'idée, c'est comme disait Pierre, qui est parti mmh. là, mais euh, c'est très important. Ça, moi, je vous propose des critères de base universels. mais après, bah, peut-être que Bernard, euh, d'autres vont dire Ah oui, mais tiens, bah, je vais un petit peu euh, modifier. Hein. Je vous dis, moi, je suis parti des critères qu'avait fait euh, euh, donc, euh, Il euh, euh, comment Guy Laporte. Oui, Guy Laporte, ça ouais. Guy Laporte, hein, il y en avait je sais combien, 54 ou je sais pas combien de critères. Enfin, il y en avait euh, énormément hein, de critères. Hein. Euh, et donc, euh, bon, l'école Lumière, il y avait euh, il parlait aussi pas, il, il quantifiait pas, par contre. Et la différence, c'est qu'on quantifie pas quoi. Donc là, là, là c'est important de quantifier. Et ça, c'est a priori personne n'observait mmh. jusqu'à présent. Euh, si à Oakham il y avait euh, euh, donc Jacques Joanneau qui quantifiait uniquement l'équilibre spectral pour caractériser le système d'écoute, c'est ce qui m'a donné mmh. l'idée d'ailleurs. Voilà. Après on travaille donc le deuxième jour surtout. On travaille en... alors le premier jour on... Les... On, on, on voit tous les critères de base. Hein. Donc on a notre petit vélo et puis à la fin de la journée on va faire un petit tour euh, le petit tour de, 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 du pâté de maison avec notre petit vélo et puis euh, euh, voilà on... On, on, on utilise ça voilà. Et euh, après, donc le deuxième jour, ben, on va faire des critères avancés. D'abord en groupe entier, puis entraînement en petit groupe. Et là, c'est très, très, c'est fondamental parce qu'on a en général trois systèmes d'écoute, hein, donc qui sont un, légèrement différents parce que dans trois lieux différents, même s'ils sont calibrés. Et puis l'idée, ben, c'est de pouvoir euh, voir aussi comment, qu'est-ce que devient un système de, un, un, un critère d'écoute dans un autre, dans un autre environnement, etc. Et D'affiner. Donc après, ben, c'est de l'entraînement et le groupe est très, très important parce que l'idée, c'est de se mettre d'accord, déjà, à parler le même langage, et après, d'avoir un, euh, un consensus de, de chaque petit groupe. Hein. Alors, ça donne des choses très rigolotes, hein, parce qu'en général, il y a le groupe des intrépides avec le groupe des redoutables. Le... <laughs> voilà, il, donne des, il y a des fois des noms comme ça. Voilà. Donc, ça donne un petit côté euh, interville, <laughs> pour ceux qui ont fait <laughs> l'émission euh, qui a longtemps, tout ça, ou voilà, le jeu sans frontières. Voilà, hein. Voilà, et ça, ça donne une dynamique qui est, qui est agréable, mais qui est très, très importante, ça. Et puis après, le troisième jour, alors ça, c'est extrêmement important. Là, c'est on le fait en groupe, en petit groupe aussi, mais en atelier. Et on va, donc c'est là beaucoup qui intervient ou intervient, entre autres Julien, bien sûr, là, aussi mais Nicolas aussi, qui va être, on va faire une petite prise de son. On, a, on va aller expérimenter ces critères. On appelle les critères à l'envers, c'est qu'on à l'envers. En fait, c'est à l'endroit dans la vraie vie, en fait. Et dans la vraie vie, ben, on va avoir une intention artistique, soit en prise de son, soit en mixage, en ayant un mix sur Pro Tools tout simple, hein, enfin le plus simple possible. Hein. Et puis on va déterminer une intention artistique. Et vous allez voir, ça c'est très important parce que vous allez voir que ça, là-dessus, euh, les critères nous permettent de vraiment euh, de, euh, de comment dire, de, de clarifier ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, du coup. Et ça, c'est très très important. En gros, si vous voulez, ces critères, c'est un petit peu comme si vous aviez un GPS. C'est qu'en gros, on détermine l'endroit où on veut aller. Parce que vous, si vous prenez votre voiture, même si vous avez une carte, un GPS, mais vous ne savez pas... Euh, vous ne mettez pas la, 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 la destination, bah, il ne va pas savoir, euh, vous ne savez pas euh, ce que vous faites. Hein. Ou là vous y allez au, au feeling, tout ça, mais vous allez prendre du temps. C'est ce qui se passe habituellement. Hein. C'est qu'en fait, un jeune qui démarre, bah, il va commencer à démarrer, il va un peu dans tous les sens. Et puis au bout de trois ans, deux ans, dix ans, euh, je ne sais pas, ça dépend ce qu'il fait. Hein, et voilà, eh bien, il va commencer d'avoir des destinations euh, qui vont s'être euh, déterminées, bien sûr. Euh, qui va savoir déterminer. Les ces critères permettent de déterminer donc, très rapidement notre destination. Et puis, en cours du mixage ou en cours de prise de son, eh bien, ces critères vont nous permettre de euh, savoir à chaque moment où on est. Et ça, c'est fondamental. Puis, on peut changer de direction. On se dit, tiens, on voulait aller à la, la boule, là, mais ah, j'ai vu que le temps n'était pas terrible, tout ça. Ben, on va plutôt aller du côté de Royan, par exemple, ou je ne sais pas, enfin, bref, on peut imaginer plein de choses. Hein. Voilà. On peut changer de direction en cours de. Mais au moins, on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Et là, après, bah, l'outil, ça va devenir quelque chose, un outil. Voilà. Oui. On va savoir que si on met un compresseur, si on met un limiteur, si on met euh, une, une EQ, tout ça, pourquoi on le fait Parce qu'on a une intention euh, derrière qui est quantifiée. Tu peux peut-être ajouter quelque chose, Julien, parce que c'est important ça. Non, c'est ce que, ce que tu as dit a bien résumé ce qu'on qu allait faire. Euh, L'idée est toujours après. De... En fait, le dernier jour, c'est un petit peu le, le, la compréhension en fait de, de l'outil et euh, par rapport à ce qu'on a à faire en fait. Et vous allez vous rendre compte que le fait de s'appliquer à faire une grille, comme vous voyez sur le PowerPoint, bah de le faire dans votre, dans, votre, dans votre esprit quand vous êtes en train de construire quelque chose, ça vous permet non, non seulement de répéter une qualité, mais surtout aussi de savoir à l'avance ce que vous voulez faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté un peu improvisé où je pars. Euh, avec, avec, avec ma fleur au fusil en train de dire oh ben, je, vais, je vais mettre des micros par exemple puis je vais c'est non je m'attends à avoir tel résultat parce que dans ma tête j'ai prévu un petit peu grâce à ces critères euh, d'arriver quelque part quoi. donc ça permet d'être beaucoup plus efficace et ça peut s'appliquer aussi en sonorisation hein. euh, à ces critères-là moi je connais beaucoup de gens qui font de la sono aussi et qui appliquent ces critères-là justement pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et tout et en dehors du côté euh... et puis vous pouvez avoir aussi des ce qui se passe souvent, c'est que des clients, enfin des musiciens, des, bah des gens qui, vont, qui vous demandent le, le, de faire la prise de son, le mixage, et qui ont une culture d'écoute très différente de la vôtre. Et ça permet de, 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 de quantifier, enfin de, sous forme de critères, leur culture d'écoute. Ouais. Alors là, on n'a vu que quelques critères, là, mais il y a ouais. tout un ensemble de choses. Et une fois qu'on a vu tous les critères, bah, on a une fiche d'identité en fait, de leur culture d'écoute. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important bien. aussi, ça. C'est d'ailleurs surtout dans ce cadre-là, c'est pour ça que je voulais le souligner tout à l'heure et tu fais bien d'en parler maintenant, que nous en tant qu'exploitants ingénieurs du son, on s'en sert beaucoup dans ce sens-là. Mm -hmm. C'est-à-dire les critères inversés. Quand on aborde une prise de son, on parlait tout à, à l'heure de la profondeur. C'est vrai que bon, ben voilà, on se dit tiens, si je mets des micros collés à toutes les sources, ma profondeur, elle va pas être énorme. Alors que voilà, si dans l'approche d'une prise de son, je veux une profondeur de temps, et eh ben je vais peut-être me dire, bah tiens, pourquoi pas essayer d'éloigner le micro. Ce genre de choses pour dire, tiens, tout de suite, j'ai une profondeur dès le départ. Et c'est la même chose dans un mixage. Quand on écoute une mise à plat ou nos pistes, on se dit, tiens, j'ai tel ou tel résultat et j'ai envie de l'amener à tel ou tel niveau. Donc là, tout de suite, on devient euh, voilà objectif. Et surtout, la puissance du truc, c'est qu'on met de côté notre culture, notre, euh, notre affect. Voilà, parce que, voilà, euh, c'est et et ce qui fait toute la différence. Hmm. Donc voilà. <laughs> voilà, voilà. Donc, euh, je ne euh, sais pas si s'il si, si y a des questions, des des, des, des voilà, des remarques, des choses. Euh, Patrick nous a remarque, fait une belle synthèse. Éventuellement. Oui, ouais, Bernard, vas-y. Euh, J'ai suivi euh, les cours avec euh, Guy, oui. c'était en 2006, euh, bah, c'était à la radio, dans le cadre de la formation continue, enfin bon, c'était très, très, très bien. Enfin, voilà. Et à la fin, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il nous avait dit d'apporter de, deux, trois CD ou, ou des choses qu'on avait faites ou autres, et puis de les analyser tous ensemble. Enfin, C'est-à-dire que celui qui, qui apportait donc la chose, le CD, ben, il, il met les critères qui, 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 voilà, qui, qui correspondent. Et après, il y a une discussion qui se fait. Avec tout l'ensemble du groupe. Et ça, je trouve que, que c'était très, très bien parce que justement, ça met les choses à leur place. Ce qu'on aime, forcément, il y, a des, il y a des fois des choses qui ne marchent pas du tout, quoi. on ne réalise pas forcément. Voilà, parce que, Mais voilà oui. en gros. Mais oui, bah c'est pour ça qu'on fait aussi. Le groupe est très, très important, tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est même bah, fondamental. Il y parce... chose euh, de personnel. Oui, euh, un CD qu'on a mis ou des choses comme ça et de parler dessus. Euh, voilà, donc ça c'est assez intéressant. Je trouve. En, en général, je fais ça aussi. Par exemple, euh, en dehors de venir de, en gestion, par exemple à la SAE où j'ai des étudiants, des élèves, hein, on va dire étudiants qui sont euh, après le bac bachelor. Donc euh, voilà. Et puis bah ben, il y en a dedans qui, qui, qui ont une culture musicale pas bon un peu réduite, on va dire, qui peut être normal. Hein. Voilà. Et euh, en fait. Euh, après le, en général après le deuxième jour, on fait ça sur trois ou quatre jours parce que là ils sont plus nombreux, hein. euh, donc après les petits groupes ça prend plus de temps. Mais des fois au, au bout de même du premier jour, de, enfin le deuxième jour quand ils arrivent ou le troisième jour quand ils quand ils viennent le matin, et il y en a qui me disent, oh monsieur monsieur j'ai écouté un j'ai écouté un, un, un morceau que je connaissais bien et j'ai l'impression que c'est la première fois que je l'entends. <laughs> parce qu'évidemment, ben ouais, ils n'avaient pas l'habitude du tout de. Il m'a dit j'ai l'impression de, euh, de redécouvrir tel ou tel morceau parce que je ne l'entends plus de la même manière. Euh, parce que ben, forcément, ça me fait rigoler. quoi. Parce que... <laughs> Mais euh, c'est souvent que ce genre de, de choses. Et, et, et ce que... C'est pour rebondir par rapport à ce que dit Bernard, justement, euh, euh, ce qui est intéressant, et dans les stages, j'encourage je, je, tout à fait, en général, le soir, tout ça, ou ap, après, des fois, on, on réécoute un morceau euh, euh, qu'on qu connaît bien, ou un mix qui a, déjà fait, qu a, qui, qui a déjà été plus ou moins réalisé, ou un morceau qu'on connaît bien, et puis on le réécoute euh, donc à la lumière des critères, et bien sûr, bah, il va prendre une autre... Bah, ses, c'est d'un seul coup comme si on avait des, on pouvait décortiquer des choses on, dont on n'avait pas conscience quoi. Donc pour certains quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Après ben, c'est aussi l'application non pas uniquement à la prise de son mais et puis au, à la sonorisation mais aussi, aussi au choix et au réglage de son système d'écoute monitoring. Donc là on a des, tout un ensemble de, de protocoles. Hein, on va dire on va Utiliser ces critères pour ch déjà choisir son système d'écoute en fonction de sa culture et ses besoins de production. Si vous faites du rap, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins de système d'écoute euh, ou si vous faites de l'électro que si vous faites euh, de la musique folklore euh, breton, par exemple. Vous voyez hein, bon. euh, Alors voilà, donc l'idée, euh, c'est de choisir votre système euh, et de que ces critères vous aident à choisir ça. Hein. Alors pour ce faire, ben, on, a, on, a une, on, on détermine un protocole qui est entièrement auditif, alors là, et qui va s'aider entre autres pour des critères, mais pas seulement des critères, aussi on va transformer notre oreille en microphone, en fait. Hein, ce qui n'empêche pas de mesurer, hein, parce que maintenant, on a des systèmes de mesure, et on voit ça dans le stage de calibration, bien sûr, mais le système de mesure, et on mesure, on, la mesure n'est pas une réalité, c'est juste un éclairage qui ne correspond à, pas forcément à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on euh, analyse hein, euh, auditivement. Donc j'ai mis au point une, un protocole pour très rapidement permettre de, de, de calibrer d'une manière assez succincte certes mais quand même euh, efficace d'égaliser et d'évaluer son écoute monitoring in situ. Alors pour vous montrer je mis un petit extrait là par exemple. Hein. Donc là je ne vais pas vous faire écouter j'ai des là par exemple, on distingue par exemple l'extrême aigu là hein. donc on a l'extrême aigu vous voyez par exemple c'est ça. Okay. On ne se rendait pas, compte, mais... on pas ah, compte, on se centre ah, sur l'extrême le, <laughs> aigu. Hein. Si on prend par exemple le haut médium, voilà, bon, c'est juste pour vous faire écouter des petits extraits. On a d'autres protocoles, hein. c'est plus complexe mm. que ça, mais c'est pour montrer un, un extrait. Voilà, ça serait plutôt centré autour du haut médium. Hein. -dire que, Mais pas uniquement euh, en, entre ce centrant, on va déterminer des, des fiches d'analyse de critères, mais ça permet de ca caractériser une écoute. Hein. Si on prend le médium, bah, par exemple là, voilà. <laughs> Oui, mais là, on ne se rendra pas compte. Euh, bah, euh, c'est vrai ça. que ce n'est pas très parlant. Quand on connaît ouais. les originaux, on ne s'en rend bah, pas du tout bah, compte. C'est vrai que euh, par ça. rapport à ça, euh, la méthode en tant que telle, sans forcément aller jusque-là, disons, euh, permet déjà de, de, de se rendre compte de l'efficacité de son système. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ce stage est plus ou moins né, parce que c'est vrai que quand les gens partaient avec leurs leur petites fiches, <coughs> les morceaux <coughs> qu'ils avaient faits avec nous, et eh bien, euh, une fois arrivé chez eux, je dis, tiens, mais j'ai pas les mêmes, euh, les mêmes niveaux, les mêmes, les mêmes valeurs, euh, comment ça se fait, tout ça Je dis, ah, ben, peut-être que l'écoute euh, n'est peut-être pas bien optimisée. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que je ne sais pas si je pense que Julien me, 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 me validera ça, mais c'est le premier truc qu'on fait quand, quand on va dans un studio, n'importe quel ingénieur du son. Euh, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on écoute, l'écoute, c'est le cas de le dire, et du coup, en se servant des critères, ben, tout de suite, on arrive à identifier, euh, en comparant ce qu'on a nous l'habitude d'avoir, et ben, on sait tout de suite, voilà, s'il y a plus de ci, plus de ça, à tous les niveaux, hein, pas forcément sur l'équilibre spectral, hein, parce que ça ne joue pas que là, hein, ça se joue sur la profondeur, la largeur, tout ça. Donc euh, voilà, c'est une petite euh, voilà, une petite parenthèse, mais tout de suite, on se sent, euh, enfin, on voit l'utilité le, 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 de, de la chose, quoi. Voilà. Donc euh, voilà. N'est-ce pas? Et puis, euh, bah, euh, donc là, euh, du coup, je peux vous proposer de la dernière diapo après que je vais passer. Puis après, bah, euh, si vous avez des questions, tout ça, bah, n'hésitez pas. Hein, et puis, euh, donc, là, donc là, la dernière diapo, oui, bah, voilà, hein. j'ai mis le professeur Tournesol quand même, parce qu'il faut quand même toucher voilà. les oreilles. Hein. <laughs> voilà. Et puis, bah, voilà, donc on en fait. Donc Là, je, là ici, c'est une photo qui a été prise au studio Mercure. On en fait moins en ce moment. ouais mais euh, sur Mouja. Ouais. On en fait beaucoup à Studio Meudon, c'est un tour d'introduction euh, de, la, de la, là. Et puis on en fait, bah, j'en fais moi à la SAE Institute, avec lequel on a une, une, un partenariat d'ailleurs euh, avec l'association. Hein. Donc là, euh, on vous y mmh. attend euh, fermement, là, le pied ferme. <laughs> mais on en aura d'autres. Hein, avec euh, Léo qui... Et, Pioneer, qui est... voilà, et Léo aussi, bien sûr, ouais, tout à fait. Voilà, qui s'était proposé d'animer des, des ateliers d'écoute. Ouais. Euh... Euh, avec des morceaux un peu plus récents et mieux choisis, euh, voilà, il a fait tout un travail euh, hyper intéressant et qui nous propose d'ailleurs aussi euh, durant la, la, le stage. Euh, donc voilà, enfin petit à petit, on va commencer à programmer des choses. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis bon, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, donc on peut, euh, oh, donc on a fait, un, il y a un petit, il y a un club s'appelle le club de la méthodologie d'écoute, bon, bref, tout bêtement, hein, qui est un ah, club, petit club Facebook. Fermé aussi. <laughs> Ben oui, après, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du, du club euh, là de, de, de petit. Euh, c'est les gens uniquement qu on, qu on, qui peuvent échanger. C'est après le stage, vous pouvez toujours échanger entre vous, hein, des morceaux, et puis avoir votre, vos idées. L'idée, c'est de créer une communauté aussi de gens qui vont utiliser ces critères et qui vont... Euh, les, euh, d'ailleurs, euh, les, 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 modifi... enfin, les modifier dans le sens où les, les affiner, les ah, adapter. Là, par exemple, cool. quand on fait du mixage, par exemple, eh bien, on, on va avoir besoin d'autres critères, par exemple, un petit peu différents. Je sais que j'ai beaucoup travaillé avec Bergam Perio, par exemple, à, à l'INA. Je travaille toujours un peu, un peu moins maintenant avec lui, mais euh, on est toujours en contact et tout. Et lui, en mixage, on avait des critères de ceux qui vu le bouquin. Le, euh, là, là, D'ailleurs, lui, il a des critères perceptifs qui sont un petit peu où il y a des petites différences, divergences par rapport aux miennes parce qu'il n'a mmh. pas les mêmes besoins, forcément. Euh, donc, tout ça, c'est des critères qui, est, qui, ont, qui, qui, qui peuvent être adaptés, comme disait euh, Pierre tout à l'heure, à euh, sa sensualité, euh, ce qu'on a envie et tout, en mmh. restant dans. Mais ce côté quantification, il faut vraiment pas l'oublier. C'est vraiment oui. quelque chose de, de très, très important. On, on, on y reviendra. Je viendrai faire le stage si vous venez. Euh, à la fin de, de, des trois jours, je vous expliquerai pourquoi. C'est vraiment très très important. Euh, il y a une, une, une logique là-dedans oui. euh, qui est vraiment très euh, qui, 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 qui fait beaucoup l'originalité en fait de cette méthode. Une petite question de Sébastien qui me demande si ça existe pour le multicanal. Oui. Voilà. Bah, le, le stage n'existe pas pour le multicanal, mais les critères, oui. Enfin, il y a, en tout cas, voilà, il peut s'adapter à tout. Hein, même, euh, vous sortez dans la ouais. rue, vous pouvez même appliquer les critères. Hein. C'est ça qui est dingue aussi. Hein. D'ailleurs, il y a un bouquin qu'on a ouais. fait avec qui euh, s'appelle le, le son multicanal chez euh, Duno, ouais. avec ouais. Euh, en gros, entre euh, autres, Jean-Luc puis et puis, euh, puis euh, Bergam Donc là, où vous allez retrouver ces critères adaptés au multicanal. Ouais. Hein. Mais on peut l'adapter au son 3D aussi. Je le fais pour les masters ouais. en audio euh, avec l'université de marne enfin en collaboration avec euh, l'AES. Euh, la, la SAE, pardon. Euh, et euh, donc on le fait, on, on peut l'adapter. certains critères sont pas directement adaptables, il faut les, les modifier, mais c'est le même principe. Ouais. Alors Francis qui demande euh, si le stage de méthode d'écoute était un bon prérequis à la calibration. Absolument. Ah bah oui. Absolument, c'est même un prérequis pour tout finalement, même les stages de, de, de mixage, de prise de son. Euh, voilà. Et d'ailleurs, le stage de calibration dont, dont Patrick évoquait, euh, lui aussi évolue, puisque forcément, quand on apprend à optimiser son système de manière électronique, forcément, euh, les personnes demandent à comprendre comment l'optimiser avec du traitement acoustique classique. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû proposer un autre stage dans lequel on va essayer de faire fusionner un petit peu ces deux éléments, puisque c'est très complémentaire. Mais la, 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 de toute façon, la méthode, elle est valable pour, pour tout. Euh, à partir du moment où on parle de son, euh, vous pouvez utiliser les critères euh, à tout moment. Quoi. Et une fois qu'on se laissait bien approprier, c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, ok, euh, on est là, on réfléchit, euh, ok, quelle valeur je vais mettre, machin, etc. Euh, mais Patrick explique ça très bien durant le stage. Il y a un moment donné où ce truc, euh, nous, comment dirais-je, nous appartient, euh, on se l'approprie et ça devient un réflexe naturel. Moi je sais que quand je fais des prises ou des mix, euh, euh, quand j'ai des doutes sur certaines choses, immédiatement les critères me remettent, euh, comment dirais-je, à la bonne place. Donc euh, c'est donc valable vraiment pour tout. Hein, euh là-dessus, il n'y a, a aucun souci. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a des gens extrêmement expérimentés. Bon, Pierre euh, est venu, euh, on a eu plein d'ingénieurs du son euh, extrêmement chevronnés qui sont venus euh, euh, et qui reconnaissent que c'est top. Il voilà. faut bien que je fasse un peu de publicité. Je ne vais pas dire euh, devant Patrick tous les bienfaits de sa méthode, mais bon, voilà, moi, je, 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 quand je parle, je, je prête mon, mon témoignage. Je pense que tous ceux qui, qui sont parmi nous et qui ont fait le stage... Euh, pour en, ah oui, il y a des qui ont fait le stage, là. Il y a William. j'aimerais bien prendre la parole certains. Secondes, Oui, bien sûr. Oui. Oui. Je voulais justement dire à ceux qui n'ont pas fait le stage et qui sont dans la vidéo euh, visio, là, que c'est vrai que c'est très concis, c'est pas facile à comprendre quand on n'est pas dedans. Moi qui ai fait les deux stages et qui avait des focales SM9, que je trouvais avoir un bon son, euh, j'ai carrément tout changé après les deux stages de Patrick. Merci Patrick, merci Nicolas aussi pour ce fait, parce que ça fait énormément de bien. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être expliquées dans la visioconférence non. et, euh, et qu'on ressent, parce que c'est vraiment du ressenti, hein, énormément de ressenti, pour repartir au bout des deux stages et se dire, Waouh, j'ai quand même une autre écoute, une autre prédisposition à faire du son, c'est assez génial. Moi qui suis plus musicien qu'un son, maintenant forcé d'être un son parce que je fais beaucoup de musique de film et documentaire, entre autres, euh, c'est un vrai plus. Il faut, à mon avis, ne pas hésiter, même si on ne comprend pas tout à la base. Patrick est tellement un bon pédagogue et scientifique. Ah, je, je il mélange attends. bien les deux. Il mélange bien les deux, ce qui fait qu'on ressort vraiment grandi. Donc même si on ne sait pas trop pourquoi on va, on va faire ce stage-là, moi je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas fait de faire les deux stages. C'est franchement ouais. euh, efficient, efficace, ça change, ça change la vie. Vu que notre passion, c'est le son, là c'est quand même, euh, tant que Patrick est vivant, <laughs> c'est un dinosaure, donc il faut aller voir euh, le temps <laughs> du dinosaure. C'est dans les vieilles gamelles qu'on apprend le plus, et là, c'est vraiment effectif, efficient. Merci d'avoir écouté, surtout pour ceux qui n'ont pas fait le stage, je le rappelle. Voilà. Merci, Olivier. Un stage à Mercure, est-il prévu, Frédéric euh, Oui, je l'espère, euh, je l'espère, euh, je l'espère. On, on a des pistes, euh, c'est vrai qu'on me demande beaucoup euh, pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens. Euh, <laughs> on travaille avec différents studios un peu partout en france pour essayer de, 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 de venir sur place et puis essayer de voilà, favoriser ceux qui ne peuvent pas forcément toujours se déplacer. Euh, je pense que oui quand je sais pas. Euh, bientôt j'espère. je sais qu'il y a des choses prévues sur strasbourg. on, on dit rien de trop pour l'instant parce que c'est un en projet encore. Oui. certainement à poitiers aussi. Oui. Euh, et Mercure, oui, bien sûr, il faudra qu'on retourne chez Gilles parce que Gilles on, on, on a beaucoup apporté aussi à cette méthode. Voilà, donc on peut, on peut, on peut lui faire un petit coucou. Bien sûr. Euh, je, donc, sais, pardon, oui. je sais que si vous refaites à Mougin, je. Re je, bah je oui, William d'ailleurs était à Mougin, donc. Oui, Encore bien pas sûr. présent. <laughs> Tout ça pour dire que moi, je vais refaire les stages si vous les faites parce que c'est tellement. Important. On peut les faire. Moi, j'ai les... dû le faire, euh, je ne sais plus, euh, une quinzaine de fois et j'apprends encore. Donc, c'est pour Ça. vous dire. Hein, c'est euh, voilà. bien, en fait. Voilà. Bon, en même fait, les au... personnes veulent le faire deux fois. <coughs> au, au, au départ, euh, la, la, la première fois, Nicolas, donc je pense qu'on peut, peut, peut le dire, c'est pas. Euh, et, et Nicolas, mais, je, on ne se connaissait pas et on a entendu parler du stage justement que je faisais avec Gilles, qu'on qu lançait à mougin Et puis, bon, on avait pas beaucoup de communication et puis il me dit bah moi je sais communiquer tout ça mais euh, ça m'intéresse ça a l'air intéressant tout ça est-ce que vous pourriez me dire parce qu'on se connaissait pas à l'époque hein, téléphone tout ça est-ce que vous pourriez me dire en deux mots euh, euh, ce que de quoi il s'agit ben, dis, ça va être dur parce que est-ce ben que non. vous pouvez m'expliquer en deux mots de quoi <laughs> il s'agit dis, ben non, je ne peux pas. Alors, il y a eu un, il y a eu un, quelques, un blanc d'une bon. ou deux secondes, là, comme ça. Je sais pas que je ne veux pas, c'est que juste, il n'y a rien à comprendre, ce que je disais. Donc, ce que je vous propose, comme oui, était est sur plus. Valence, et moi, je suis dans Seine-et-Marne, donc euh, je, peux, je passe vous prendre en voiture. Ah, il me dit, ah bon <laughs> ouais, d'accord. Et donc, il a fait, puis je dis, vous venez, vous viendrez voir, puis après, comme ça, vous pourrez vous faire une idée de, de ce que c'est parce qu'il faut le vivre. C'est à vivre, oui, c'est oui, pas oui. à expliquer. Voilà. On Et peut pas ça pas rendre ça compte. Euh, ouais. C'est pour ça que c'est justement l'objectif de cette vidéo, c'est essayer de de donner quelques éléments de réponse parce que j'ai beaucoup de gens qui sont qui se <coughs> qui posent beaucoup de questions, qui me demandent si euh, il faut être professionnel, si, si on est débutant, on peut le faire, si on n'est pas forcément magicien du son. Quoi que vous soyez, vous pouvez venir le faire parce que il a aucun prérequis si ce n'est aimer la musique, voilà. Euh, donc, il euh, n'y a, y a aucun souci et, et on a tous les niveaux. On a des gens débutants, euh, des gens qui sont jamais rentrés dans un studio de leur vie. On a des gens comme Pierre Jacot. Euh, je pense à Fabrice Chantôme, je pense à Eric Chevalier. Je pense euh, à plein de gens comme ça qui ont, qui ont des carrières incroyables euh, et, qui, euh, qui, qui, voilà, et qui, qui, qui qui sont là, euh, comme disait Pierre, euh, sur les bancs de l'école et qui, euh, qui retrouvent des trucs. Donc, c'est vraiment. Euh, voilà, n'ayez pas peur de, de venir découvrir tout ça et puis euh, et surtout passer un bon moment. Euh, ah bah, voilà. Ça aussi, <laughs> j'allais dire aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'on s'amuse bien quand même aussi. Ben oui. <laughs> et on s'amuse bien. Oui, ouais. C'est important aussi. Bon, allez, voilà, voilà. Euh, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. S'il y a ouais. d'autres questions, n'hésitez pas dans ben, les commentaires. Je, et tout je vous mets le euh, votre, euh, voilà. Et à bientôt. Pour la suite de nos aventures. Pour Exactement. Et voilà, le professeur va. <laughs> On met beaucoup de budget dans les animations. Ah non, non, les... On a un budget d'animation qui est. <laughs> Donc voilà. Euh, bon, n'hésitez pas. Voilà, question sur le, sur le, 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 la vidéo YouTube, sur, sur le groupe Facebook aussi. Euh, bon, par mail évidemment, mais c'est vrai que les commentaires, ça permet que tout le monde en profite aussi. Euh, voilà, donc pour l'info, on est à Meudon le 19 avril, si je dis pas trop de bêtises. Euh, et puis voilà, et puis et puis voilà. Meudon euh, Me voilà, Me est, est un lieu, par exemple, il y a Julien qui est là, mais bon, euh, c'est un lieu, euh, euh, comment dire, moi je dirais, qui est, qu est, qu est un petit peu magique quand même, parce qu'il y a une. une une très très bonne énergie aussi et puis on est dans des, des conditions euh, j'irais euh, comment dire euh, avec des écoutes qui sont très très euh, performantes et puis euh, bien optimisé tout ça mais surtout il c'est un lieu où euh, puis vous avez des pianos fantastiques vous avez voilà donc euh, une acoustique vous avez enfin moi c'est un lieu que on que... va dire que le troisième après, jour c'est intéressant oui le voilà, jour, c est, c est voilà, intéressant voilà tout, tout à fait les deux premiers ça vaut pas le coup et puis le stage <laughs> prise de son aussi prise de son stéréo oui. Et le stage de position stéréo, bah, bah, tu peux nous en dire deux mots quand même bah, oui, C'est un peu la continuité, c'est-à-dire qu'à la suite de, de ce qu'on faisait justement de, dans ce stage d'écriture de, de d'écoute, beaucoup de gens justement sur le <laughs> troisième jour étaient un petit peu. Euh, elle va être un peu frustrée, donc du coup, on a, on a un autre stage aussi qui est sur la pression stéréophonique, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de deux micros dans les mains, et là, on, en fait, les critères d'écoute servent un petit peu d'appui pour comprendre ce qui se passe, mais du coup, tout, tout va être sur euh, bah, comment ça fonctionne, déjà le microphone en soi, et puis quand on en met deux, les différentes techniques de prise de son, et après, on, on fait un peu de pratique et tout, et c'est vrai que c'est aussi une espèce de continuité, et on parle de choses aussi assez précises avec des abacs, des... Voilà. et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui en parlent pas forcément de manière très très pointue, mais là oui. on a quatre jours, si vous souviens bien c'est quatre jours. On mmh. va vraiment au bout des choses et on pratique avec des musiciens qui sont là aussi 20 jours. c'est voilà. un, un peu une continuité pour ceux qui sont plus intéressés par la prise de son, par exemple. Mais où les critères voilà. sont fondamentalement. Euh, tout à dedans oui. Ouais. Oui, tout à fait. Dans le stage acoustique, vous apprenez comment fonctionne une enceinte. Dans le stage de prise de son stéréo, vous apprenez comment fonctionne un micro. Enfin, prise de son. Et, et, et l'utiliser. Ah bah, oui, euh, tu fais des tests que moi j'avais vu nulle euh, par ailleurs. Ah bah oui, on tourne enfin, devant les, de, les micros. On mesure un microphone euh, d'une manière euh, perceptive à l'oreille, et, et ça corrobore aux courbes en général du constructeur. En tout cas, pour ceux qui cherchent un système son euh, efficace, <laughs> non non, pas. <laughs> vous alors en tout cas, il faut aller voir Patrick, parce que depuis que je travaille avec ton système son, c'est le jour et la nuit, quoi. Même, même par rapport à ce qu'on dit être les meilleurs monitoring du moment. N'empêche que ton système son, c'est assez. Euh, moi, j'ai un, un ingénieur de son qui bossait à Paris, qui est venu à la maison, qui est resté 15 jours. Un ami, il a, il a pu mixer travailler sur ton système son, tu vois, qu'il ne connaissait pas. Et euh, vu que le studio ici était étalonné grâce à toi, Patrick, merci il a quand même euh, pu reconnaître euh, l'immense qualité de, de ce fait. Quoi. Il, il a vraiment travaillé euh, comme une fois euh, quand je, je t'avais accompagné euh, sur le chemin du retour, je t'avais posé la question, est-ce que n'importe quel ingénieur du son du, de la planète peut venir travailler chez moi et tu t'es mis à rigoler euh, en disant « mais tout le travail que j'ai fait chez toi, c'est fait pour ça ». Bon, pour... Tout à fait. N'importe quel ingénieur du son se reconnaît, c'est euh, ouais. un standard de travail euh, efficace. Quoi. Donc, c'est vrai, ouais, bravo pour ça. Bah, merci, voilà. écoute, ça me touche. C'est vrai, faut peu, le ça, dire. C'est un peu pour ça aussi tout ça, que je fais tout ça aussi, pour continuer à transmettre tout ça. Euh, oui. Parce que pour ceux qui, là, pour le moment, bon, euh, le système d'écoute, c'est pas du tout ce qui me fait vivre. Hein, euh, voilà. Donc, oui, <laughs> donc oui, je bravo. le fais vraiment pour, euh, un pour, autre euh, sujet. pour faire avancer la science. <laughs> non, mais voilà. je le dis parce que je veux pas que ce soit commercial, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le... le -ce mais c'est vrai que pour ces critères... Pour aller vite, il faut des systèmes d'écoute avec lesquels, vous voyez, euh, euh, qui puissent, je être, euh, être le plus neutre possible et bah, pour que les critères soient les plus différents possibles. Faire des différences entre les critères, il faut que le système d'écoute permette de, oui. de, de. Alors, il y a le système d'écoute, il y a l'enceinte, mais il y a le réglage, c'est à tout ensemble. Enfin, Ça, c'est ce qu'on voit dans le, oui, euh, oui. le stage d'acoustique et de calibrage. L'acoustique du local, il fait pour beaucoup et c'est tout un ensemble de choses. Quoi. Pour moi, il n'y a pas de bonne enceinte ni de mauvaise enceinte. c'est Enfin, ici, il y a des mauvaises enceintes, quand même. mais il y a, dans les oui. bonnes enceintes, il y en a pas de. Ce qui va faire la différence, c'est le réglage et le contexte acoustique de son environnement, quoi. Hein. Voilà. Oui. Et les critères permettent de, de, de corréler encore une fois le système d'écoute. Au... c'est pour ça que je l'avais fait au départ. Hein. Euh, oui. J'irai ce qu'on entend. Et c'est pour ça qu'on peut aussi euh, oui. bon. faire des systèmes d'écoute plus pertinents, quoi. Voilà. Mais ça, c'est. C'est, une retombée. Après, vous pouvez utiliser aussi les critères simplement. Pour, même, vous pouvez même utiliser les critères pour vous aller au spectacle. Hein, et puis, d'un seul coup, vous allez entendre euh, bah, mmh. tout ça. Bah, les critères vont, vont arriver sans que vous le demandiez directement, comme ça. Ce qui n'enlève pas de plaisir, hein, je vous rassure. <laughs> Bien sûr. Voilà, voilà. Bon, ben bah, les amis, euh, je pense qu'on est pas mal. Euh, on a fait une belle, belle réunion. Euh, merci à tous d'y avoir participé. Merci, euh, merci YouTube. Merci tout ça. Euh, n'hésitez pas, voilà encore une fois, question, machin, mail, n'hésitez pas. Hein, voilà, j'essaye de faire au mieux pour répondre le plus rapidement possible. Euh, le prochain rendez-vous, je lui avais promis de glisser. Euh, je serai avec certainement Sammy Mojard qui va nous présenter euh, un truc qu'il a ouais. inventé. Euh, il était pas. comme un dingue, il m'a appelé la samedi. Donc, on va essayer de faire un petit truc avec lui euh, peut-être jeudi dans la soirée. Voilà, donc si vous êtes par là, vous êtes les bienvenus. Et puis, euh, dans un deuxième temps, euh, on va organiser un truc avec notre association. Voilà, regardez un petit peu ça, euh, si vous êtes curieux. On va commencer à proposer, euh, louer des lieux et puis se réunir dans, des, dans, dans ces endroits pour... Euh, pour faire des choses, voilà, donc on pourra faire des critères, on pourra faire de la prise de son, on pourra faire un petit peu plein de trucs, et on fera venir tous les copains euh, ingénieurs du son et autres qui ont envie de, de partager leur savoir, voilà, donc ça, dans un cadre associatif, c'est toujours plus facile que les formations, et bon, évidemment, les contenus sont pas les mêmes, mais c'est déjà, euh, déjà bien. Voilà. Euh, merci les amis. Et puis on espère vous, vous voir, euh, voir euh, voilà, donc, ça, de visu et, et physiquement. <laughs> ben bah oui, de, en vrai c'est mieux. Là, on n'a plus, voilà, le Covid, on ne sait plus trop une année. Voilà, j'espère que l'actualité, ce n'est L'actualité, c'est pas simple, mais je, voilà, j'ai bon espoir qu'on puisse enfin euh, tous se voir dans des bonnes conditions, quoi. Ouais. Bon, les voilà. Ok. Nicolas, as une idée de heure pour euh, jeudi? Ah, ce sera certainement en soirée, euh, un truc comme 20h, 19h30, 20h. Voilà, un à, peu avant bon 20h, quoi. Ouais. Oh, Sauf so so changement, on doit, on doit se rappeler là. Euh, et un peu interactif. Peu... Un petit peu Pardon interactif, on pourra lui poser des questions ou. Ouais, ouais, oui, je pense que oui. On, ah. oui, on essaiera de faire un truc. Euh, oui, soit zo Enfin, Zoom en tout cas, puis soit oui, je verrai comment on fait. Euh... Enfin, comment lui veut faire surtout. Mais il a envie de présenter ça, ce qui est normal et tout. Euh... Donc, donc voilà ok bon oh, les amis salut je vous fais des ça fait des bisous C'est toujours du bien de revoir tout le monde ouais. Okay. bah ouais, ouais c'est super sympa merci à allez. tous salut, merci de nous allez. avoir suivis si vous passez dans le sud venez ouais, à la bah, maison ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais 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 faudra quand même te voir ouais, faudra, voilà avec ah, les beaux ouais. jours là ouais. ça va être sympa là avec la rivière et... <laughs> allez ça, ça, ça marche Attends. merci à tous bonne fin de soirée à tous merci merci Patrick